Alors, on est de retour en live. La question est-ce que le jeu va faire de la merde ou pas? Est-ce que Silab va répondre ou pas? Est-ce que je reçois des notifications? Est-ce qu'il y a du son? Oui. Est-ce qu'on est vraiment un corps 2 sur Twitch? Aussi, également. Mais ça, c'est pas du tout au bon endroit. Attends, mais ça marche pas surtout. Je vais virer. On a pas le temps. On a pas le temps. Alors, j'imagine que là, du coup, bah. En fait, faut que je repasse par leur application Xbox à la con. Mais je l'entends. Ah! Ah! Je l'entends. Je Allô? l'entends. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Ouais. On s'entend? Alors attends, faut que je retrouve un moyen de te rejoindre. En train de naviguer. Suivre, voir, jouer. Non, mais ça, c'est le jeu. Je sais ce que c'est un jeu. Autre. Ah, joignable. Joindre. Voulez-vous rejoindre une partie? Oui. Ça, c'est vraiment de la merde, le Xbox Live, hein. Ouais, c'est un peu. Déjà que sur l'Xbox, j'aimais pas trop. Mais alors sur Windows. C'est un peu du caca. Donc là, tu m'entends correctement. Là, je t'entends correctement là. Alors, on va voir si sur les lives tout va bien. J'ai tout reboot, même les CPL. J'ai vérifié aussi que j'avais pas Steam ou la PS4 en train de faire des téléchargements chelous. Je regarde pour l'instant, l'écran de chargement ne lag pas sur Twitch. J'ai des belles images fixes et qui sont vraiment très très fixes. Et par contre, ouais, j'ai quand même des petits ralentissements quand même dans le stream lui-même. Au pire, c'est parce que je stream trop. Faisons ça, streamons en 720p parce que fallait pas exagérer avec le. Ah bah il m'a remis le truc de attention, c'est un début de quête. En théorie, on est totalement en live. Et en théorie, c'est pas censé laguer là. Ouais, ça a l'air, là niveau du son ça a l'air bien. Ouais. Par contre, je te vois pas. Ah, mais t'as dû Bah popper tout en haut j'ai encore. popé dans le bar quoi. Ah, je vais te regarder te péter la gueule lamentablement. Tu veux voir ça? Eh non, je me suis pas pété la gueule. Et pourtant j'en ai fait des sauts. Donc là il y a zéro lag de mon côté. Hein. Enfin moi tout a l'air d'aller bien. Je le trouve même plus fluide que tout à l'heure, donc du coup ça doit être pas si mal. Ouais, de mon côté, c'est pas mal aussi, je t'entends. Bah écoute, allons-y, Bon, hein, bah on est parti alors. si tu veux. C'est où pour aller du Allez. coup? Tu as trouvé l'île? Ah oui, mais t'as totalement trouvé l'île, c'est juste à côté. C'est ce que tu disais. Ouais, il y en a une qui est un peu plus loin par contre. C'est vachement plus rapide à deux aussi. Ouais, grave. C'est moi qui conduis! Faut aller où? Il faut que t'ailles au sud, sud-ouest. Donc c'est pas du tout là où on est. On est complètement aligné vers le nord. Sud-ouest, t'as dit? Ouais. Oh, en fait, je pars du mauvais côté. Ce serait plus intelligent de dans l'autre sens. Ouais, bon, c'est pas grave. Non, je m'ouvre pas une bière. Ah, bravo. Il y a des gens qui ont travaillé toute la journée. Ah, c'est pas bon. Ouais, je comprends. Du coup, c'est laquelle? Cette île. Effectivement, on est. C'est vachement plus pratique de regarder la carte comme ça. Ouais, grave.
là, faut qu'on aille sud-sud. J'ai jamais eu un temps aussi clair dans ce jeu. Ah, c'est le printemps. Alors du coup, est-ce que tu maîtrises les voiles et tu sais comment tout marche? Parce que quand on se retrouve... Ouais, les voiles, ça va. C'est les créneaux qui sont compliqués. Mais bon, j'ai pris plein de planches, donc c'est bon. En général, je me mets à peu près vers là où je veux aller. Et quand je suis à côté, mais pas tout à fait, je me jette sur l'ancre et je la lâche très très vite. Ouais, c'est ça. Et en général, je touche d'un poil de cul le bord, mais ça va. Bon, en tout cas, je vois personne à l'horizon, ça c'est cool. Ah, j'ai eu un beau moment de réalisation l'autre fois quand je jouais. Hey, regardez, il y a deux bateaux qui sont complètement en train de s'accrocher. Il y en a un qui est en train d'éclater l'autre en passant. Puis tout d'un coup, je fais, c'est pas mon bateau ça. Du coup, je cours dedans, il y avait des trous partout. Et c'est ce même gars qui, une fois qu'il était à 500 mètres plus loin, a décidé de m'envoyer des boulets de canon en plus. Je sais pas trop. Alors attends, il faudrait qu'on s'arrête. Faudrait que t'ailles. On arrive pas en haut. Faudrait que t'ailles un peu sur la gauche. Je vais le tenter. À limite, il faudrait peut-être réduire un peu la voilure parce que là ça va être un peu ouais, violent comme approche. Hop. Bon, vas-y, on va carrément la relever. Devil Ridge. Attends, on arrive par où là? Ouais, bah ouais, bah faudrait que tu te votes. Ouais, pile là, là, vas-y, va tout droit. Ouais, ouais. Votre toi là. Bah, écoute, de toute façon, là, avec la voile qu'on a, on va pas arriver très vite. Donc, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Ouais, j'ai l'impression que sur Twitch, il y a encore des lags, quoi. Je sais pas trop pourquoi, mais. Pas très grave à la limite. Ah, ça sent... On va manger du sable là. Je te laisse jeter l'ancre. Ouais. Non, non, c'était un petit créneau. Hein. Je vais checker quand même. Ah, tu penses que là on mange le sable? Ah ouais, non, c'était bien, c'est bien joué. Ouais, j'ai peut-être calculé la profondeur. Ah putain, une caisse. Allez, je ramène. Il y a des caisses comme ça sur les plages? Ouais, des fois, ouais, t'en as des randoms, c'est assez rare, mais là... Tant mieux quoi. Bon, du coup, les cochons et tout, c'est pour des missions de. Ouais, c'est pour les marchands, donc là on s'en bat un peu le steak. Là, il faut qu'on trouve les coffres avec les croix sur la map. Qu'on okay. a. Attends, je vais ressortir la map. J'imagine que c'est celle-ci. Bah, il doit y en avoir un. Ah, il y en a plein. Ouais, il y en a trois là. C'est bah, il doit y en avoir un juste là, t'es pied là, non? Bah, c'est ce que j'allais regarder. C'est parce que t'as un plus grand niveau là que tu que t'as trois croix sur un truc ou ouais c'est possible. Alors attends, on est totalement nul ou ah, d'accord que normalement au bout d'un coup de pelle on le voit déjà un peu non peut-être deux non ouais normalement tu tapes dessus mais ah, attends en fait je me demande si on est vraiment en fait on est ok on est pas du tout au bon endroit il doit être là plutôt. Alors je confirme que le stream lag complètement sur Twitch, mais sur YouTube tout va bien. Ah mais tu streams sur les deux à la fois toi? Ouais. Mais... Ah, fou. Non mais avec une seule connexion. C'est un service à la con là qui restream, qui d'ailleurs s'appelle Restream. Attends.
On est là, le rocher il est là. Et le coffre il est pas là. Hein? Bah non, mais c'est pas là-bas. Bah, moi je le vois vraiment là où on a creusé au début, quoi. Ouais, mais parce qu'il y a deux. Attends, mais putain. Bah si, logiquement, ce serait là. Là où t'as creusé en après... fait. C'est ça. Après, on est peut-être complètement. Est-ce qu'on est sur la bonne île? Ouais, sur la bonne île, ouais. Ou alors c'est là-bas encore? J'ai un petit baril de poudre. Ah, peut-être, ouais. Ouais, parce que je vois qu'il y a un petit rocher tout seul et donc ce serait juste par là. Ah, un squelette. Un squelette avec un tromblon. Ah! Ah, et il me tire dessus. Oui, c'est le principe. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été très mauvais et qu'il m'a tiré dessus. Ah, je l'ai trouvé le coffre, il était bien là. Ah! Et il est un peu. Oh, mais c'est un. Ah, mais c'est un coffre de. Qui te rend bourré, non, quand tu le prends? C'est possible, ouais, j'ai entendu parler de ça. Qu'est-ce qui c'est? Qui tire là? C'est moi, il y avait un squelette belliqueux. Belliqueux? Et vindicatif. Ah ouais, quand tu vas le porter, tu vas tituber. Ah, c'est relou ça. Je le ramène dans le. Attends, parce qu'on en a deux autres à trouver. Ouais, vas-y, ramène-le. Donc je le ramène tout de suite, non? Ouais, et quand t'es sur le bateau, vérifie qu'il n'y en ait pas. Qu'il n'y ait pas d'autres connards qui arrivent. Écoute, déjà je vais essayer d'aller sur le bateau. Parce que ceux-là, ils payent bien. Ils payent bien, ceux-là? Ouais. Putain, le bruit que j'entends. Ah, t'as découvert un coffre, toi. Ouais. Ah, putain, j'arrive pas à descendre. C'est quoi tout ce squelette, là? Ah, putain, mais j'ai pas mon épée, bordel! Comment tu peux ne pas avoir ton épée? Bah, je sais pas, maintenant, ça me fout le fusil de sniper à chaque fois que je me connecte. T'as des fusils sniper? Ouais. Quand tu vas dans ton armurerie. Pourquoi il y a des barils de poudre en haut? Tu peux sauter. En haut de la vigie? Ouais. C'est moi qui l'ai mis là-haut parce qu'en fait, si tu te fais attaquer et que les mecs ils tirent dessus, ça explose. Alors que s'ils sont en haut de la vigie, ça fait pas de dégâts. Ah, d'accord. Bah écoute, moi je vois personne à l'horizon, y compris avec ma longue vue. Très bien. Eh bien, je ramène le deuxième coffre, faut trouver le troisième et puis. Après, je vois que d'un côté quoi. Ah, et j'ai sonné la cloche aussi. Oh, putain, la discrétion, merde! Ça y est, on est repéré, ça y est. Ils vont l'entendre. De l'autre côté de la mer. Les renifleurs de cloche. on dirait presque un nom de film porno quoi. Alors attends, il en reste plus qu'un qui est très loin. Non. Bah il est à l'autre bout quand même. Il est là. Il est là? Ah non. Pas du tout. Je sais pas. Une cage à cochon. Non. Non, il est juste là en fait là. Attends. Succès déverrouillé. Croque banane. Vous avez éliminé un squelette pendant qu'il mangeait une banane. C'est bien. Alors ça c'est la. Ah ça c'est. Ça c'est du succès ça. Je crois qu'on est les plus mauvais chercheurs de coffres du monde. Mais oui mais parce qu'en fait on les cherche pas, on veut le faire trop vite, on regarde au pif. Y'a une caverne ici. Ouais. C'est pas bien les cavernes? Ah je sais pas. T'es déjà allé? Dans des cavernes? Alors si l'entrée de la caverne est là, après... le coffre est là-bas. Bon, y'a rien dans cette caverne. Vas-y, je fouille vite fait l'île pour voir s'il y a pas des coffres random qui traînent. Moi j'essaye de trouver ce putain de coffre. Ouais. Parce qu'on a une carte mais qu'on n'a pas envie de la lire. Ah, j'ai trouvé un coffre! Bravo. Moi non. Putain, on va se faire pas mal de thunes là. En plus, par contre, faut vraiment pas que quelqu'un nous attaque quoi, parce qu'on a le coffre de bourré là. Putain. Je crois qu'il rapporte. Ah, attends. On est vraiment sur
Alors c'est là. Je sais vraiment pas lire une carte. Ah, un squelette. Je l'avais pas vu. Mais dis-moi, il y avait un bruit chelou depuis tout à l'heure. Alors, mais s'il y a le squelette, ça veut dire que le coffre est pas loin, parce que tout à l'heure... Bon, ça veut peut-être rien dire. Il doit être là, ce putain de coffre, c'est pas possible. Bah, il est forcément dans le secteur. Ça, là, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, d'après la vie, il est là. Ah bah, ouais, mais il y a le... Non, logiquement, il devrait être par là. Juste à l'endroit où il y a le serpent pour casser les couilles. Attends, je vais essayer de taper le serpent, mais à chaque fois que j'ai essayé de taper un serpent, ça n'a pas marché. Ah, là, ça marche. Et t'as trouvé le coffre? Ah non, c'est l'autre. Ouais, c'en est un autre, ouais, qui était posé par terre. Bon, évidemment, le serpent m'a fait mal. Comme à chaque fois que j'essaye de m'attaquer à un serpent. Ouais, ils sont un peu casse-couilles. Putain, mais... Reprenons la carte. Soyons méthodiques. Arrêtons de faire de la merde. Allez. Là, il y a la grotte. On la voit. Elle est là. J'éteins les lanternes sur le bateau, parce que... On a, on nous voit à 3 km. Ok, donc là, il y a le premier truc. Ensuite, normalement, il y a de l'herbe, mais il n'y a pas du tout d'herbe ici, en fait. Donc, je vois mal lire la carte. Ah, mais attends, on a trouvé le premier là, le deuxième là, donc... Non, on lit mal la carte, en fait, il est ici, le coffre. Non ? Je sais pas, en fait. Putain, des squelettes, et j'ai oublié de reprendre des munitions, quoi. Non, je l'ai complètement raté. Ici. C'est toi qui tire ? Oui, c'est toi qui tire. Ouais, je suis en train de me faire péter la gueule par les squelettes. Je peux venir si tu veux. Ah oui, il y en a beaucoup, tiens. Comment ça se fait ? Ouais. C'est la nuit ? Bah, je devais pas être loin de. Du coffre ? Ouais, j'en sais rien, putain. Faut que je vais aller prendre mon épée en fait. Ouais, ils vont te. ils te poursuivent. Pas très bon hein, en tapage de squelette, hein, disons-le. J'ai quelques lacunes. Alors, ouais. Logiquement, c'est là. J'y ai cru. Pendant le cochon, j'ai plutôt regardé. J'y ai cru. Ah, mais il y a une cage à cochon là, ça vaut le coup de prendre un cochon du coup. Bah, je t'ai dit, il y a une cage à cochon. Ouais, bah voilà, ça se revend les cochons. Il m'écoute pas. Je lui dis, il y a une cage à cochons, il me dit pas que c'est important. Ah, il est là. Ah oui. Ah oui. C'est un tout cabossé. Il était temps, nom de Dieu. Il est très cabossé. Je sais pas trop ce qu'il... Coffre d'aventurier. Ouais, mais si, c'est pas mal. Franchement, on va se faire pas mal de thunes, là, je pense. Putain, et maintenant que j'ai la cage, il y a plus un seul connard de cochon qui... Alors qu'il y en avait partout. Ouais. Ok. Alors, moi, je suis totalement d'accord que... C'est ici. Ah mais je crois que les cochons, il faut les nourrir sinon ils crèvent. J'en sais rien. Faut leur filer des bananes. J'en sais rien. Ouais. Ok, bon bah en fait on va aller directement vendre ce qu'on a parce que là on en a pour du pognon. Sur ça serait contre faire Faut qu'on aille où du coup? Faut qu'on aille un... J'en entends un avant-poste. Ouais mais c'est celui que j'ai posé sur le pont. Ah ok. Bah du coup on va retourner Ouais, on retourne de là où on vient. Au nord quoi. Ya. Yeah. Écoute. Faut peut-être lever le bouclier de l'encre. Tu veux conduire? Non, oh, vas-y, je te laisse, je gère la voile. Ah,
Alors ça c'est la bonne question de savoir pourquoi sur Twitch c'est ultra lagué alors que sur YouTube j'ai aucun souci quoi. Et que hier j'ai streamé ou avant-hier je sais plus quand j'ai streamé sans aucun souci surtout. Là je vais plein nord, hein. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est, ouais, ça. Ah tu l'as. Ah tu l'as laissé là cochon. Je croyais que c'était un coffre. Un coffre chelou. En fait c'est l'île avec plein de lumière. Ouais, c'est ça. Okay. On va juste checker qu'il y a personne sur place. Qu'on nous pique pas la magot, hein. Putain, mais c'est pas possible que Twitch rame du cul comme ça. Pourquoi tu fais ça, Twitch? Je crois qu'il faut que les gens donnent des bits pour que ça lag pas. Si, si. Ouais, pour qu'ils donnent des bits, faut que Twitch nous soit d'accord. Merde. Alors il va falloir aborder par la droite, non? Ouais, par la droite. En fait, les avant-postes, c'est l'endroit où tu rends les quêtes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. T'as les trois types de marchands, de vendeurs, là, à qui tu vends des coffres, des cochons ou des caisses de thé, là, en l'occurrence. Hop, là, je vais arriver jeter là. Le baril de poudre, ça se revend, mais pas trop cher, donc on va le garder quand on se fasse attaquer. J'ai tenté de faire un virage très large pour réussir à tourner. Et à faire un espèce de demi-tour. Putain, je crois que j'ai vu un galion là-bas. Il est derrière l'île. Ouais, parce que. Non, c'est une île que je vois au loin. Tu vas jeter l'ancre? Ouais, ouais, je vais m'en occuper. Là. Tu me donnes le signe. Là, j'arrive très très vite. Hein. Donc, tarde pas trop quoi. Genre, fais-le là maintenant. Comme le temps que ça. Non, c'était peut-être un peu trop tôt. Ouais. Ah, là, on est un peu loin là quand même. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Voilà. On s'en fout. On a flippé. Bon, c'est pas grave, vas-y, on va. Ah, je vais prendre le bourré, comme ça, ce sera fait. Yes. Bon, je vais prendre ma caisse. Je vais mettre 15 ans. Ah, ouais, tu vas galérer. Ah, ouais, on est carrément. Ah, putain, mais j'espère que je vais pas me noyer quoi. Que je t'avoue que j'ai un peu du mal à remonter avec le coffre bourré. Bah, tu veux rapprocher le bateau. Ah, c'est toi qui as ici. Et du coup, c'est à qui faut revendre ça? Au mec dans la tente? Ouais, le mec dans la tente, le collectionneur d'or là. Ah, et du coup, on chope l'XP à 2. Ouais, du coup, tu montes vachement plus vite. Putain, y'a le cochon qui est en train de crever, ce con. Bah va le revendre. Oh putain, qu'est-ce que c'est. Il comme un goré. Ah, j'arrive pas à me mettre en face du gars. Et ah, 711, c'est pas mal ça. Et du coup on a gagné tous les deux 711. Ouais. Attends, je vais rapprocher le bateau. Ah, tu le rapproches? Ouais, ouais. Parce qu'on a encore pas mal à vendre mine de rien. Est-ce que je veux avancer là? Non, putain, non plus. Fais gaffe, hein. C'est chaud là ce que tu fais. Prends un main, mon gars! Bon, j'ai pris le coffre d'aventurier. Yes. Cochon arbre noir et rose vendu. Putain, mais 32 quoi! C'est quoi ce cochon de la mort là? Il était en mauvaise santé. Eh ben? Hein? Non? Bah. Ah d'accord. Attends, 149 c'est toi ou c'est. Non, c'est toi là. Ah, c'est moi.
Ok, il y a eu un espèce de lag où j'ai vendu le truc et ça a mis 10 ans à le prendre en compte. Putain, c'est pas cher payé pour le temps qu'on a mis à le trouver. Ah oh, putain, j'ai fait un saut, je me suis j'ai raclé toute la bordure du truc quoi. Sans Ouais, en fait, quand tu vends les trucs, je crois qu'ils ont fait un système de queue. Ah. Parce que sinon ça faisait laguer ou je sais pas quoi. Putain, mais j'arrive plus à utiliser le jeu là, j'arrive plus à monter les échelles, à sauter. Emblème déverrouillé, garde 1, grade 1, gardien du trésor scintillant. Bah tant mieux. Ah, c'est parce que t'as augmenté de rêve. Collectionneur d'or, réputation 5. Tu m'entends correctement là? Attends, est-ce qu'il me reste des quêtes là? Je vais t'en racheter. Twitch Inspector. Se connecter à Twitch. Débit direct, stable. Bah alors ça m'a pas l'air stable du tout pourtant quand je regarde. C'est chelou. Qui se remet à bugger? Moi je bug? Ouais, ça recommence à couper un peu. Mais c'était peut-être parce que j'étais en train de regarder le truc Twitch status stream qui analyse la connexion. Ah peut-être. Mais bah, moi il me dit stable, donc stable c'est censé être stable. Oui. Alors on a... Attends, moi j'ai un bout de papier, je sais pas pourquoi. Il y a marqué sur The Crooked Mast, gisent les merveilles dont le désir, les doux rêveurs éveillent. Juste ce bout de papier avec marqué ça. Ouais, en fait c'est l'île que j'ai marqué là sur la map. Donc il faut qu'on y aille, une fois qu'on y est, la suite de l'énigme apparaîtra. D'accord, c'est des missions énigmes, je ne savais pas. Voilà. Du coup faut qu'on aille sur celle-là. Yes. Ah, donc faut qu'on aille au nord. Ah, attends, faut que je fasse gaffe au démarrage. Parce que comme tu nous as mis. Mais non, j'ai fait un joli frein à main là, c'était nickel. Ah, moi ça. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est beau. J'avoue, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'il y avait 9 chances sur 10 que ça échoue, mais. Il faut que t'ailles ouais, un peu plus nord-ouest. J'ai vu. Du coup, plus nord. Voilà, tout droit. Ouais, c'est un peu compliqué quand tu me dis tout droit parce que du coup, faut que je repasse dans l'autre sens. Ouais, ça va, je commence à maîtriser un peu l'inertie du bateau. Ouais, sur le sloop, ça va, c'est assez gérable. Putain, le galion. Et on n'a pas croisé un seul bateau quoi. Bah tant mieux. Comme en général c'est quand même des connards. Ouais, j'avoue. Alors là juste on va se prendre une île si je continue tout droit, donc faudra voir un peu. Ah, il y a une épave. Bah, vraiment tout droit, non, continue tout droit, on va avoir une épave sur notre chemin et okay. Ça c'est cool. J'ai jamais fait. Je sais pas si tu... Elle est... En plus elle émerge de l'eau là. Bah faut que tu me dises s'il faut s'arrêter hein, que je... Ouais, vas-y, on est encore un petit peu loin. Est-ce que je réduis la voilure au moins ou... Non, tu peux laisser. On va foncer dessus comme des gorées. C'est pas gênant qu'on tape directement dans les barres.
Non, on va essayer de pas la percuter non plus, mais... Un peu de finesse. Tu la vois? Pas du tout. C'est le truc à droite? Ouais. Qui sort de l'eau? Un peu à droite. Ouais, avec les mouettes là. Ah ouais, bah je vois. Ouais. Je vois. D'ailleurs, ça montre que j'ai... Là, on la voit bien parce qu'elle est émergée, mais... Des fois, elles sont carrément sous l'eau, donc faut vraiment se fier aux mouettes qui volent. Quand tu vois des mouettes comme ça au-dessus de la mer, c'est qu'il y a une épave dessous. Ok. Et des fois, il y a du loot... C'est pas. Du coup, j'ai quand même dévié un peu à droite parce qu'elle est un peu à droite. Je vais remonter un peu la voile. Là, je la vois plus du tout parce qu'elle est pile en face du mât. Donc, je sais ouais, pas bah... si on va la percuter ou pas. Non, non, non. De toute façon, je te laisse gérer l'encre. Parce que yes. Nous, on freine au frein à main. Hein. Ah ouais, au dernier moment. C'est tellement bon. De toute façon, on a des planches. Je sais pas où est-ce qu'elles sont rangées, mais on en a. Voilà. Putain, cette approche en finesse. Attends, attends, t'as le temps. Ah, ok. On a pas tant le temps que ça. Hein. Ah, si, regarde tout pile. Ouais, bah oui, mais si tu me disais on a le temps, du coup, ça te passe comment une épave? Et bah tu vas dedans et tu pouilles en nageant à l'intérieur et okay. Il est possible qu'on trouve des coffres ou des crânes ou des trucs crâne recherché ville. Voilà, bah ça c'est pas mal déjà. Il est vert. Ah c'est marrant, tu peux te retrouver du coup avec un... Ah si tu veux tu peux boucher les trous de l'épave. Truc qui sert à rien. Ouais c'est... C'est vraiment super RP ça. Je répare les épaves. Je suis réparateur d'épaves depuis plus de 10 ans. Par contre tu peux te noyer donc essaye de pas trop traîner quoi. Bah en fait j'essaye de descendre à l'étage d'en dessous, j'y arrive pas. Ah ouais, j'y suis allé, j'ai récupéré un coffre. Justement il y a une bulle d'air donc j'en ai profité. Ah, il y a un autre coffre ici, mais est-ce que je peux prendre le coffre et le crâne? Pas du tout. Ah non, tu peux porter qu'un truc à la fois. Putain, mais j'avais pas pensé que le crâne, en fait, ça me prenait mes deux mains. Tu vois, je me suis dit, c'est un crâne, je peux le mettre sous le bras, quoi. Et bah non. Du coup, je vais ramener le crâne. Yes, le coffre, il était... Il était près de la prison. Ok. Attends, où est le haut, où est le bas? Ok. Et il y a une jauge de respiration à un endroit là, parce que je vois pas trop où est-ce que j'en suis. Là. Non, il y a pas de jauge, il y a juste tu queen en fait quand tu commences à te noyer. Ton perso il fait. Attends, je regarde vite fait sans monter s'il y a des gens autour, mais je vois personne à vue de nez. Si tu peux récupérer aussi des boulets de canon et tout comme ça. Parce que je vois qu'ils en ont plein. Ouais, là où j'en trouve. Ah yes, j'ai le coffre. Ah, je suis coincé, tiens. Là. Ok, alors j'ai un petit peu du mal à trouver le haut et le bas. Donc, j'ai trouvé des bananes. Et une planche. Ça c'est bien ça. Ah putain, mais je me coince dans les murs. Bon, je vais aller respirer un peu. Ah, mais en fait... Ah. Je pense qu'il n'y a plus rien là à l'intérieur. J'ai pris plein de boulets de canon. Je fais juste un tour vite fait en bas, voir si on n'a pas loupé un coffre, mais je pense pas. Yes. Très jolie prison. Là, il n'y a plus rien. À moins qu'il y ait des trucs derrière l'escalier, mais ça m'étonnerait. J'ai caché ton crâne dans les coffres. Ah, on peut faire ça? Bon, faut, ouais, tu les superposes, tu sais, donc du coup, le crâne, tu le vois pas. Je ramène des boulets de canon. Cool, moi aussi j'en ai récupéré pas mal. Il se range où? Là, dans les tonneaux rouges. Ah, j'avais pas vu.
Ouais, 63, c'est bon, c'est pas mal ça. J'ai des bananes, mais je les garde sur moi. Où est-ce qu'on va du coup? Alors là. Au nord-nord, non? Ouais. Je te confirme ça. Ouais, faut que t'ailles même au nord-ouest là maintenant, parce qu'on est orienté. J'essaie juste de pas m'accrocher au bateau en partant. Ouais. Oh là, c'est bon là, si tu vas tout droit, si tu gardes le cap, c'est bon. Hop, les voiles. En théorie, on devrait être cap nord-ouest le temps que le bateau se mette dessus. Ah, parfait. Putain, c'est tellement plus simple à deux, quoi. Tu m'étonnes. Est-ce que ça serait pas un peu la tempête, là? Un peu beaucoup, ouais. C'est un chien. C'est un chien. Ah, le fap du clébar, quoi. Voilà, faut que tu ailles un peu à... Bah, j'étais vers nord-ouest et bizarrement, je suis plus du tout comme s'il y avait une tempête. Alors, par contre, on va se prendre ouais, une île là. Vagues de faut que je fasse gaffe. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, l'île. C'est ça, doit être celle avec le gros pic derrière là. Attends, j'essaie d'éviter celle-là. Elle est petite, ça devrait aller. Oh oui, on est large. Donc cap le gros pic hein. Yes. Ouh, la mer est agitée. Ils sont beaux quand même les effets sur ce jeu. Ça va, ouais. Puis c'est surtout que enfin, ça tourne bien alors que d'habitude c'est le genre d'effet où t'as la carte graphique qui souffle quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment pas gourmand. Putain, c'est le bordel, le bateau il se barre en couille toutes les deux secondes. On sent la tempête. Hein. Ouais, mais c'est les vagues. Faut que j'arrive de quel côté là. Bah on sait pas parce que du coup l'énigme apparaîtra quand on y sera donc votre toit dessus et puis on verra. Ouais, putain, mais je veux pas jeter l'ancre à un moment. Attends. Parce qu'on se rapproche de plus en plus vite. Hein. Ouais, mais à chaque fois je me fais avoir parce que j'ai l'impression qu'on a le temps et en fait au dernier moment c'est comme si elle se rapprochait de plus en plus vite. Mais non, t'inquiète. Alors, essaye de passer entre l'île et le caillou là. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. Là. Là, ouais, ça c'est stylé. Ça, c'est une manœuvre de pirate. C'est chaud quand même, parce que le rayon de braquage, il est pas... Je pense qu'on va frotter, hein. Commence à contre-braquer, vas-y, vas-y. Oh putain, magnifique. Magnifique. C'est chaud. Oh, ça passe. Et... Je suis si fier de toi. On a ah, pas... c'est passé un poil de cul, mais c'est pas ça. On n'a pas dérapé un peu du cul. On devrait pas s'arrêter là et rentrer par là? Bah non, vas-y, va à droite, on va trouver une plage. Là, c'est un peu... Attends, parce que là, je passe pas entre ces deux trucs, hein. C'est les moussaillons qui abordent les îles comme ça. Nous, on est des pirates de légende, là. Il faut une plage. Alors non, parce que là, je vais quand même un peu trop sur le rocher. Alors là, ça passe, ça passe. T'es sûr qu'il y a une plage ici? Non, absolument pas. Alors le problème c'est que ça aurait été bien qu'on se mette là, mais en fait je pouvais pas tourner là, c'était trop tard. Ouais, j'aurais dû on aurait été caché dans les cailloux. Mais je vais faire un demi-tour, hein, c'est pas grave.
Ouais, vas-y, fous-toi. Demi-tour en bateau, c'est compliqué, mais je vais le faire. Ça passe. Ça passe, faut juste que je tourne un peu. Là, je continue de tourner complètement. Je suis pas certain que ça va passer. Je suis vraiment pas certain. Alors là, je vais faire une encre d'urgence. Ah, c'est bien, ça a marché. Ah ouais, sauf que putain! Je voulais la relever direct, mais je me suis chié. Ah non, bah je vais la laisser là, en fait. Voilà. AGS. Est-ce que la carte c'est. Putain, on est à la bonne île là? Ouais, Oh ouais, Crooked Mast. Mais faut peut-être être sur l'île. attends, regarde, regarde, reviens! Ok, j'arrive. Je vais te montrer comment on va sur l'île. Pourquoi y a un truc spécial pour aller sur l'île? Ouais, quand t'es loin comme ça là. Tu te boulettes de canon? Voilà, tu te mets là. Tu appuies sur R devant le canon, ça te met dans le canon et après tu cliques. Et ça te fait pas mal ça. Et t'es canonné! Bon alors. Mais c'est ridicule! Oui! Ah, mais et tu tombes dans les serpents! T'es tombé en plein dans les serpents, quoi! Je vois plus rien en plus, je sais pas où je suis là. Je vois pas s'il y a pas d'autres serpents. Non, c'est bon, la bouge plus ça va passer. Ah, il y a un début de. C'est parchemin avec le partiel, En relisez-le à tout cas, la droite au j'espère qu'on va pas premier. devoir partir trop vite parce que là, on fait face à un rocher, on a les voiles à moitié élevées, on a l'ancre jetée, on est parfait là. On est parfait. Ah, il y a un squelette là! Alors, il faut qu'on trouve une grotte à trois issues là où se cache le ciel. Ouais, ça c'est clair Ça ça. doit être le truc là-haut. Langage de pirate émoussé. Bah, faut trouver une grotte déjà, ouais. Ah putain, mais attends, faut que je bouffe parce qu'en fait, je suis quasiment mort là. Ah ouais. Hein, parce qu'on vit des aventures, mais. Ah putain, un squelette. Mais moi je suis trop un poisson rouge quoi, j'ai fait le tour de l'île sans m'en rendre compte, et je vois un bateau, je commence à flipper, tu sais, putain, y'a un bateau! C'est le dingue. Oh, il y a les squelettes là. Parce que là-bas il y a de la lumière, c'est pas. Ouais, je suis aux lumières là, En il y a fait, l'air on a d'avoir vu une grotte. une grotte. Il y a une grotte ici. Hein. Je suis dans une grotte Ouais, là. j'y suis. Moi aussi j'ai une grotte là. Mais elle a pas l'air d'avoir trois issues. Ah si, bah si, c'est toi. Ah bah c'est bon, ouais, elle a trois issues, parfait. Et alors? Et alors. Maintenant la map là se révèle. Et il y a de la Oh lumière et ça tremble aussi. oh. Au fossoyeur ivre, bien des secrets sont renfermés. Faites 10 pas au nord-ouest et creusez un trou. Fossoyeur ivre, donc il n'y a pas un. Bah faut peut-être se bourrer la gueule. Où il n'y a pas un cadavre de squelette. Bourré justement? Ça c'est Fossoyeur. comment? Coffre de munitions, ok. Ouais, c'est pour récupérer des balles. Tu crois que c'est ça le fossoyeur ivre là? C'est le totem, les squelettes, les cruches? Bah peut-être oui. Oh putain, moi je suis pas expert en. Attends, on sait En pas. fossoyeur ivre. À partir du VNB, faites 10 pas vers la gauche. 10 pas au nord-ouest. Où est la Bah boussole? vas-y, mets-toi là et fais 10 pas. Alors, tu sais comment on fait les pas? Non. Ah, tu prends ta boussole Ouais. Et et tu il faut la. avancer. Tu laisses appuyer sur clic gauche là. Et après, tu peux compter les pas en fait en avançant. Comment ça? Où est-ce que ça compte? Je comprends pas. Ça va au bruit, t'entends tes pas. Tu vois ta boussole, tu la prends là. Non, mais quelle est Tu la laisses appuyer différence sur clic entre quand gauche. t'appuies et quand t'appuies pas? Voilà. Ah, Oui, du j'ai coup. oublié ce que disait la main. Ah, juste pour la voir. Ouais, mais c'était quoi au sud-ouest? Non, Dis nord-ouest. pas. Dis pas au nord-ouest. Ouais, mais. Non, je pense que c'est pas là parce que. C'est pas là parce que là on se prend un mur. Est-ce Attends, qu'il y a y'a une pas un squelette sortie là-bas là, nord-ouest, non? non? Hein, y avait pas un squelette quand... là où on est arrivé, y avait pas un squelette, je crois. C'est possible, enfin, moi j'en ai tué quelques-uns des squelettes. Non, mais un squelette pas vivant. Ce qui est Ah, très en bas, logique. oui. Tout en bas, il y en avait un, ouais. Ouais. Ah putain de serpent de merde!
Ah mais je me fais. Attends, parce que je trouve des trucs en haut là. Enfin, je Tu trouve des trouves de trucs. quoi? Je trouve, il y a plein de trucs quoi. Il y a des tonneaux dans tous les sens. Il y a un chemin. Bon, peut-être que ça veut rien dire, mais. Ah ouais, bah si tu trouves des barils de poudre, ramène, hein. Non, pour l'instant, j'ai pas trouvé de trucs très intéressants. Juste des bananes. Attends, je suis où là? Ah, mais je suis revenu dans la grotte en fait. Non, c'est pas la grotte ça. Ah ouais, mais je suis sûr que c'est ça. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un squelette avec plein de bouteilles à côté. Ah bah Je sûrement. pense que c'est ce qu'ils appellent un fossoyeur ivre. C'était Nord-Ouest. Nord-Ouest, ouais. Attends, bah je redescends. J'essaye de pas me péter la gueule. Ce qui est compliqué, hein. Voilà, et là si mes calculs sont bons. Yes! Bravo. Fier de toi, hein? T'as trouvé en moi, c'est ça? Putain de squelette! Non! Je me suis éclaté Mais la je me gueule suis par fait contre. buter! Ah. Bah attends, parce Oh. que. Je suis mort comme une Alors, merde. mon problème. Mes problèmes. Je n'ai pas de banane. J'ai des squelettes. J'ai pas beaucoup de vie. Non, c'est bon, ça passe. Il y a des serpents partout. Qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? T'es Enfin, tu envoyé sur un respawn. bateau fantôme J'ai et déjà fait, t'attends un mais. peu et ouais, ça te fait respawn sur le bateau. Mais la question est, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu vas revenir. Ah oui, tu respawns sur ton bateau. Ouais. Donc là. Ouais, ça je sais parce que j'avais voulu voler le bateau de quelqu'un. Et en fait, j'ai pas compris qu'il respawnait chez lui. Du coup, Ouais. il m'a défoncé derrière. Oh putain, il y a un bateau qui arrive. Mais j'ai Un pas trouvé sloop ton coffre en fait. qui fonce droit sur nous. Bah il est en face du bateau. En face du bateau? Merde, 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 Là où il y a merde. le Ouais, mais serpent? attends, là. Ouais, là où il y a tous les Ah oui, serpents. d'accord, et il y a 15 squelettes qui apparaissent quand t'arrives. Ouais, exactement. Ouais, ils ont baissé les voiles, donc putain, ils les ont pas vus, c'est con. Alors Attends, attends. je vais installer une voile. Je nettoie la zone. Et j'essaye de récupérer le coffre si je sais où il est. Parce qu'en fait, il est pas sorti ton coffre. Ouais, j'ai pas réussi à le déterrer, je suis mort un peu Il était où, sous le palmier? prématurément là. Il est là, là, Ah ok, donc pas du tout là où je regardais en là. fait. Ici. Vas-y, faut se manier le cul parce que. Alors tu l'as, ok, bon bah je me prépare à démarrer. J'ai tourné la barre à fond à droite, comme ça, il y a juste à lever l'ancre, baisser les voiles et on se casse. Et là, on a 20 dans le dos. Bon, le sloop a pas bougé, mais donc ils doivent essayer de chercher un trésor aussi. Donc soit on est couillus, on les attaque, sachant qu'on a quand même pas mal de coffres à perdre. Bah on a quoi pas mal, on en a un. Ben on a déjà dans la cale, non? Ah oui, on a rencontré une épave, t'as raison. Et Bon, ouais, laisse tomber on alors. a même un crâne vert là, je sais pas quoi. T'es là ou pas? Ouais, vas-y, vas-y. T'es sur le bateau? Yes, vas-y. Bah en Je fait, vais. j'ai pas l'ancre, il faudrait la voile, ouais. Voilà. Alors par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut qu'on aille, mais Bah pas à gauche, parce que tu vois. Tu le vois le bateau là à gauche? là pour l'instant non. Ah oui, tout loin. Ouais. Ouais, il a Entre les levé pics. ses. Ouais. Alors attends. Je sais pas ce qu'il fout, il a levé ses voiles, il doit aller chercher aussi des trucs donc. Ah mais il y a deux bateaux même, il y a un deuxième sloop là. Bah dis-moi Ok. par où aller. Mais plein sud, ouais. Plein sud, ok. Mais pourquoi il me sort du truc? Putain, par contre, on a le Putain, mais les vent. succès toutes les 2 minutes là pour que dalle, ça commence à casser les couilles. Hein. Bravo, Là, vous avez fait trois. 3 pas. Tout à l'heure c'était bravo, vous avez tué Sais pas. un squelette pendant qu'il mangeait une banane. On s'en fout. Ouais, c'est les premiers succès, ça se débloque. Moi, je sais pas, ils buguaient. Je crois que je les ai pas eu. Mais parce que je crois qu'il faut que t'aies l'application Xbox qui soit lancée en même temps. Non, mais il y avait des bugs. Ah, ils sortent des bus, Ils étaient c'est censés normal. les régler, Par mais contre, on est totalement c'est contre Alex le qui s'en vent là, donc occupait. ça va être un peu relou pour avancer. Ouais, et puis on a le premier sloop qui vient de remettre sa voile, le deuxième qui se casse, donc c'est bon.
Par contre l'autre on va le surveiller parce que... On va où nous là? Ah y'a un fort là-bas. Tu vois la tête de mort dans le ciel? Pas trop. Où ça? Elle est au nord-ouest. Au nord-ouest. C'est un nuage en forme de tête de mort. Où il y a les yeux qui clignotent. Non, je vois rien. C'est loin hein. Là comme ça sans le truc je vois rien. Là où je regarde, tu non, tu vois pas. Non, je vois pas là où tu regardes. Bah, je vois pas de tête de mort ouais, en bah fait, attends. Mais je vois une grande île. T'es où là? Ouais, bon, enfin, quand tu vois des nuages avec... en forme de tête de. C'est que dessous il y a un. C'est une île. J'ai eu des coupures, mais j'ai l'impression qu'en fait, dès que le PC lag un peu, j'ai des coupures. Bateau de la région vont y aller, et t'as du super super loot à avoir, et on peut aller faire chier les gars qui sont en train de le faire ici. Est-ce que ça a un intérêt? Éviter. Attends, mais j'ai plein de coupures en fait. Ah! Ça a un intérêt, je te disais, de faire ça? D'aller faire chier ouais. De faire chier les gens? Ouais. Ah oui, toujours. Non, bah ouais. Oui, parce qu'en fait, eux, ils vont se faire chier à tuer les squelettes, il y a plusieurs vagues, à la fin, t'as un capitaine qui arrive. Tu tues le capitaine, t'as une clé de coffre au trésor. Et donc, tu peux ouvrir une grotte avec, et dedans, t'as au taquet de coffre. Bah, on peut déjà aller poser nos coffres, et on en discute après. Voilà, si tu débarques, tu peux leur piquer leur coffre, si... Si t'arrives comme t'arrives un connard en plein milieu, quoi. Enfin, à la fin, quoi. Mais bon, là on est un peu loin, on va peut-être... On va poser nos trucs, enfin vendre... Oui, oui, oui. Par contre, on prend pas le vent du tout là, attends. Ah ouais, j'ai un peu oublié les voiles. Sur un bateau, c'est dommage. Alors, je sais pas du tout si ça va être mieux. Ouais, c'est un peu la merde à niveau 20. Faut que t'ailles un poil à droite. Bon, de toute façon, là tu le vois l'avant-poste. Ouais, ça doit être le truc au loin, non? C'est. Ouais, c'est ça. Tu veux dire que c'est l'île au milieu de la mer? Ouais, l'île au milieu de la mer et des arbres et entourée de vagues. J'ai perdu de vue le sloop là. Bah, il est peut-être parti au fort. Ouais. Ah, c'est le chien. Flap le chien. Alors on est d'accord que c'est celle qui est sur la gauche. Pas celle qui est sur la droite. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Celle qui est sur la gauche avec les arbres, on voit les arbres. Ouais. Dessus. En forme de deal. En forme de truc dans l'eau là. Enfin, petit caillou. Imagine une île. Pareil. je fais n'importe quoi. Je regarde mon téléphone et du coup, j'arrive pas à conduire. Comme quoi. Et voilà. Et voilà. Putain, je suis en train de passer le code de la route. Enfin, je suis en train de réviser pour le passer. C'est vraiment de la merde ce truc, hein. Ah, c'est relou, hein. Le but, c'est pas d'apprendre. Parce que le code, il est très bien fait. Le problème, c'est que l'examen, c'est de la merde. Que c'est un truc fait pour piéger les gens à chaque question, quoi. Ouais, ouais. C'est bah, je sais pas, moi, quand je l'ai passé, c'était assez simple encore, ça allait. Mais à ce qui paraît, ouais, depuis
qui sont passés au DVD et tout, c'est un peu plus galère. Non, mais c'est plein de questions où tout d'un coup ils vont te mettre une double négation sur l'une des réponses et en fait du coup tu sais plus trop si c'est vrai ou faux quoi. Ah oui. Ok. Ah mais c'est marrant ça. Oh, tu prends le boîtier, t'appuies sur les touches au pif et... Je sais même plus, c'est toujours des espèces de boîtiers à la con là ou... Bah je t'avoue que pour l'instant j'y suis pas allé sur place. Je l'ai fait sur l'ordi avec... Ah oui ok. Avec l'accès au site internet que j'ai payé 30 balles de plus pour l'avoir. Oh les bâtards. Ah c'était pas inclus. Continue sans moi, j'arrive. Qu'est-ce que t'as fait? Bah je suis tombé de la vigie. Je suis à la flotte comme un tocard. Mais tu veux que je m'arrête? Non, c'est bon, vas-y, continue, il va y avoir la sirène. La sirène? J'espère. Ouais, oui, quand tu tombes à l'eau, que t'es trop loin de ton bateau, t'as une sirène qui arrive. Et quand tu lui parles, elle te re-téléporte sur ton bateau. C'est la même qui... Oh, c'était qui peut-être un peu tard. Oh putain, je suis en train de te voir là, mais... Non, c'est bon. Oh! Oh, joli! Franchement, ça oh, le frein de ouf! Oh putain, t'es trop bien galéré en plus! Attends, je vais vérifier quand même qu'on n'est pas raclé devant, mais... Ah non, ouais, non, mais c'est bon. Tellement magique. Ça s'est bien passé. Bon, du coup, je prends le coffret d'aventurier. Ah oui, d'accord, tu les as empilés. Ouais. Ah, par contre, j'ai raté le l'escalier. Et ce frein, je te vois nager. Il était magnifique. Il était épique. Fait ouh, ça passe pas. Oh mais franchement, t'es trop bien garé quoi. Oh bah, j'ai pas fait exprès, hein. Oh, mais c'est. Alors, combien on a? 218. Je suis peut-être un peu loin, mais bon. Ah, merde. Oh, ça va. Et le crâne, ça se vend à qui? Le crâne, c'est l'espèce de sorcière sous la tente bleue là. J'ai jamais fait des missions comme ça. Je sais pas trop ce que ça fait. Bah en fait au lieu de chercher des coffres tu dois aller sur une île où il y a des squelettes. Bah j'en ai acheté, on va en faire une. Attends, elle est où cette déjà? Elle est là. Ah dans le... Attends c'est pas ça non? Dans la... Là ici là où je suis. En bas dans la tente d'Esmeralda là. Ouais me regarde pas comme ça toi. Ouais. Hop. Déjà elle est louche, elle collectionne des crânes, elle est chelou. Ouais, on dirait même. Oh putain, j'ai raté. J'ai entendu un vieux plouf. Oh bah t'as fait la même chose il y a 2 minutes. Non. Bon. Il reste un truc à ramener ou je vais en aller retourner? Non, c'est bon, j'ai ramené le dernier. Bah là on va aller péter la gueule à des squelettes un peu. Ah, ma grande passion. Ah ouais mais du coup en fait au niveau collectionneur machin, ça me fait monter des niveaux moi. Ouais là on a monté pas mal les collectionneurs d'or je pense, parce qu'on a fait que des coffres. Je suis passé niveau 7. Un peu le truc des âmes parce qu'on a fait un crâne. Ouais, et là on va aller chercher d'autres crânes. Alors. Là hop. Ah mais si moi voyage. J'ai deux quêtes en fait, je peux te proposer un voyage si je veux. Bah écoute on va faire un truc. Alors c'est quoi qu'il faut faire? C'est où? Comment? Alors c'est pareil, c'est une carte et donc là il faut aller sur Sharktooski. Ah on était Shark pas loin, je l'ai déjà vu tout à l'heure. Cool. C'est une toute petite. C'est celle qu'on a évité quand on y allait. Elle est juste là. Ah ouais ouais, c'est là exact. On peut virer ça peut-être? Attends, ouais. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Donc en fait c'est juste retourner au nord. Putain mais ça va. Attends, avec pas mis cartes là qui brille là, moi aussi je vais faire des phosphorescents. T'as pas mis le point sur l'île là, si? Si, tu le vois pas? Ah bah attends. Il s'est enlevé. Ah si, ah oui c'est là, ok. Non c'est moi qui l'ai viré en fait, sans faire exprès. Donc c'est au nord. Ah mais attends. La dernière fois... Old Bootfort. Ok alors tu vois je vais mettre un point dans la mer là. Ouais. Et on va essayer d'y aller.
Il doit y avoir normalement. Est-ce qu'on zoome, on peut pas le voir. Des îles qui sont pas marquées sur la carte et en fait il y a une espèce d'arche. Enfin, la dernière fois il y avait un super coffre là-bas. On va d'abord aller poutrer les squelettes et puis. On verra si on trouve mon truc imaginaire après. Un truc imaginaire. Là, t'es sur le bateau ou pas? Ouais, je suis en haut. Ok. Et toi? Yes. Ah oui, mais putain, je t'arrive. Je regardais la carte. Et puis là, j'essayais de regarder mon téléphone. Alors, du coup, on va où? On fait quoi? Où ça? Le nord? Nord-nord. Là. Nord-ouest. Ouais, nord. Non, nord, nord-ouest, si, un peu. Un peu ouest, un tout ouais. Peu. Nord, nord, un poil de cul ouest. Azimut, poil de cul. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? À table! Tu te calmes, toi. Est-ce qu'on a pas de l'eau dans la... Avant-poste, mais on en sort de l'avant-poste. Pourquoi il me saoule? Tu l'as, toi aussi, le truc? Et on a même pas... Non. J'ai eu le truc, vous venez d'arriver à l'avant-poste. Maintenant. Ah. Ah, c'est bien, c'est... C'est raccord. Ça lag pas. Putain, y a de la houle. On est où, là? De la houle, capitaine. Alors, du coup, faut qu'on aille où? Qu'on aille Sharktooth, là, ou dans ton trou? On a dit non, Sharktooth. Ouais, on va aller péter la gueule au squelette. Putain, mais c'est le bordel. C'est le bordel au niveau de l'eau. C'est de l'eau. Ouais, ça tabasse un peu. Ça tabasse. It's tabassing. Mmh, oui, je vois bien de l'eau. Il y en a un peu partout. Ouais, faut que t'ailles un peu à gauche. Putain, mais... Mmh, je vois des vagues. Mmh. Oh, y'a l'épave là. Tu crois que ça repop? Je sais pas. C'est celle qu'on a fait tout à l'heure, ça, quand même, non? Bah, il me semble, oui, vu qu'elle est... Bah oui, elle est exactement au même endroit. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai un peu le sens d'orientation... D'une nuit? Ça quelle balle de mer. Ouais, non, c'est la même. On va pas ouais, y aller. Non, c'est la même. J'avais trouvé un truc pour faire des... Alors non, ça c'est le chat. Pour faire des trucs avec... Alors j'ai sorti une lanterne. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, j'ai appuyé sur L comme lanterne. Toi aussi t'as dit t'es... Ah ouais. Ah oui, tu laisses appuyer sur G et tu peux faire des trucs et W aussi, je crois. Attends, mais moi ça marche pas en fait, quoi. Pourquoi moi c'est ce... Ça fait tu lis les trucs que je marque ou pas? Ouais, je les vois, ouais. Pourquoi? D'accord, donc on voit pas ses propres trucs. Bah si, moi je vois mes propres trucs. Bah, moi non, moi je vois que les tiens. Ah. Ah voilà, c'était ça que je cherchais, moi, c'était les actions. Le mec qui danse au lieu de conduire. Ah ouais, W là. Hein. Ouais. Il faut que t'ailles à gauche là. Ah pardon. Quel animal quoi. C'est bon. Tu la vois, c'est la petite île, ah oui, de d'accord, merde c'est là. Très très à gauche. Oui oui oui, c'est à 90 degrés à peu près. Et celle-là à mon avis l'accostage il va être rigolo. J'ai totalement abandonné les voiles. Bah tu les as remontées là. Ouais là je les ai remontées mais c'était pas du tout orienté comme il fallait. Pas grave. C'est normal la lumière verte au loin là. Ah c'est ça le truc que tu me disais? Non ça doit être juste des éclairs ça. Ah si c'est ça ouais. Ah oui je vois le deuxième œil. Je voyais pas le deuxième œil tout voilà. À l'heure. Ouais on le voyait pas il y a deux secondes. Bah c'est ça tu vois. Ok bah là je comprends. Je comprends ce que tu me disais tout à l'heure. Je te trouve un peu moins chelou maintenant. Ah. Ah. Alors, ok, ouais, tu... Bon, tu veux l'aborder comment cette île là? On va y aller en bois. Genre en frontal comme ça? Bah ouais.
D'accord. On se met comme ça, là on tourne un peu. Là on se prépare à jeter l'ancre. Et on fait comme ça. Allez, ciao. Yes. Voilà, bon, normalement il y a des squelettes qui vont pop et il faut leur péter les dents. Putain, les tonneaux sont vides. C'est ce bordel. Ouh, les squelettes! Il y en a plein partout, derrière toi notamment. Et ils te tirent dessus, ah. Ils me tirent dessus et il y en a plein avec des flingues. Et j'ai pas de banane sur moi surtout. C'est ça le problème. Il n'y en a pas dans les tonneaux là des bananes? Je ne sais pas, il y a un cochon. Un cochon malade. Oh putain, force bleue, force bleue! Mais il se protège! Depuis quand ça se protège ça? Là y'a des boulets de canon dans ce tonneau. Bah je les prends tous. Ouais, là y'en a pas mal là! J'arrive. Faut juste buter tout le monde? Attends, mais j'arrive. Ah ouais, faut buter tout le monde et à la fin il va y avoir un. Mais t'es où? Il va y avoir le papa. Je dois être sur ta gauche, je pense. Ah oui, je te vois. Non, mais merci de ton aide, c'est. Bah écoute, c'est parti. Fallait pas partir. Tiens, il est mort-né celui-là. Ah, y'en a un, il s'enfuit. Il a peur. Oh le pleutre. J'arrive pas à le choper. Mais il crève. Ouh, la musique s'est accélérée, il doit y avoir le boss là. Ah, il est là le papa. Où ça? Mais je t'ai perdu. Là, là où je suis là. Ici, ah. Ici, ici, derrière toi. Ah. Ah oui, il est rouge. Il a un tromblon en forêt. Ah bah. Il a mis tromblon. Moi aussi, mais ça marche pas. Je suis pas très bon. Par contre, alors il s'est pas du tout visé le truc. Hein. Le truc, c'est yeah. Moi. Parce que moi, je suis pas du tout visé. Ah, il y a un crâne. C'est ça qu'il faut récupérer. Ouais. Et le petit ça cochon tôt. Là, c'est dommage qu'on ait pas de truc parce que c'est marrant les petits cochons blessés verts. Je suis sûr que ça vaut de l'argent. Ouais, tout à l'heure on a vendu 32. Chapitre 2, je sais pas ce que ça veut dire. C'est toi qui l'as pris? C'est toi qui l'as pris. Ouais, ouais. Bah, il y a peut-être encore des combats à faire. Carte découverte. C'est ça. On a découvert quoi comme carte? Bah, je sais pas, ça m'a marqué carte découverte, mais là, je peux pas regarder vu que j'ai un crâne dans les mains. Qui m'occupe les deux mains. Peut-être qu'il y a une carte au trésor. Non. Ah non, c'est un autre. Un Barnacle Key. Dis-moi que c'est à côté ça. Ah, je croyais que c'était le même. En fait, pas du tout. Ah ouais, c'est juste à côté. Bah, on ira en retournant à l'avant-poste. On va aller voir mon truc imaginaire là, voir si c'est bien là. Faut que j'aille à quel niveau du lag? Parce que là je vais me prendre un mur donc je vais pas le faire. Alors il faut que t'ailles à droite toute. Ouest? Ouais. Il y a des bruits chelous. Genre une baleine en train de baleiner. Oh là là. Si les baleines baleinent, où est-ce qu'on va? Où va le monde? C'est vrai que je suis d'accord, j'entends les bruits chelous. Il y a plus de saison. J'entends les bruits chelous, je suis d'accord. Pourquoi ça chevoute? Putain, mais... Twitch il se fout de ma gueule, ça lag de ouf et il me met état de la diffusion, excellent. Comment? Que Twitch me dit état de la diffusion excellent. Ah, et, et ça lag? Bah à chaque fois que j'essaye d'aller regarder ça lag, mais effectivement là ça a plus l'air de laguer. À gauche, à gauche, à gauche. Ah pardon.
Là tu fais carrément n'importe quoi. Je tourne, je tourne. Tourne malheureux, tourne. Je suis déçu parce que personne regarde ce live ce soir. En même temps, je suis pas déçu parce qu'on passe de bois maman. Alors, en même temps, ouais, je sais pas trop comment on fait pour faire connaître un stream. Bah, d'habitude, il y a des gens qui me suivent sur Twitter qui viennent le regarder, mais pas ce soir. Ah, salaud! Ouais, tu vois, il y a des îles là juste en face. Ah, mais on est jeudi soir. Oui? Mais ouais. Des petites îles un peu sur notre gauche. Attends, ah oui, non, je vois, il est où le... Ouais. Ben celles-là, je crois qu'elles sont pas marquées sur la carte et je me demande si c'est pas là. Oh, t'as vu, je suis tombé. C'est comme une merde. Ah, j'ai pas vu. T'es où? Ah, t'es là. Je vais manger. Oula, ce lag. Ouais, vas-y, vas-y, va en plein sur ces îles. C'est ce qui est prévu. Oh, oh c'est putain. Beau. C'est beau, le soleil se lève. Putain, c'est magnifique. Je vais regarder directement avec la loupe. Pour te brûler les yeux. Écoute, moi je veux un cache-œil, je veux un cache-œil, c'est tout. Bon, on arrive pas vite. Hein. Je vais jeter l'ancre. Pas de suite. Ouais, mais... je relève la voile. Ça se trouve, ça sert à rien de venir ici. Alors, bon, déjà, j'avais pas rêvé la dernière fois, il y avait bien ces îles. Et en fait, si tu plonges, il y a une arche quelque part. Une arche? Ouais, une sorte d'arche en fait, sous l'eau. En forme d'arche? En forme d'arche concave. Alors, un peu ptérodactyle. Il y a des coraux. Ils sont ouais, jolis. Mais c'est pas loin des coraux, je crois. Ah, j'ai trouvé une épave. Mais enfin, pas une grosse épave, un bout de coque, quoi. Ah putain, attends. Et là, il y en a plein, ouais. Il y a plein de bouts de coque. Comme des bateaux éclatés. C'est peut-être juste du décor, hein. Ouais, mais non, attends. Le problème, c'est que j'étais complètement perdu. Je suis à côté de l'île. Ah putain, j'ai l'arche. Ah bah. Je dois pas être au bon endroit. Ah yes. Alors, attends. Oui, si, il y avait les coraux, il y a effectivement une épave de bateau. Attends, parce que là je suis dans une épave de bateau et il y a absolument rien dedans, donc ça sert à rien, je me sors. Attends, reviens à la surface que je vois ton nom. Attends, j'arrive. Putain, les gens ils auraient dû regarder ce live parce que cet endroit il est secret. Ils sont cons les gens. Putain, ils sont cons. Je suis à la surface, mais je suis un peu loin de l'île quand même. Enfin non, pas trop. Je suis juste à côté en fait. Mais je suis de l'autre côté du bateau. Mais moi aussi. Enfin, je suis pas côté bateau, je suis côté de l'autre côté de l'île. Mais moi aussi, putain! Attends, je vais me mettre sur le sol pour pouvoir tourner la tête et te voir. J'ai l'impression qu'on se voit pas en fait là. Ben non. Non? Attends, t'es là-bas? Saute? Ah oui, je te vois, ouais. Bah en fait, on est complètement à l'opposé. Ah ouais, ok. Ah oui, bah t'étais bien du côté bateau. Non, bah non, j'étais pas du côté bateau, j'étais de l'autre côté de l'île, mais à l'opposé de là où t'étais. En gros, j'étais littéralement à l'opposé de là où t'étais. Donc, du coup, l'arche est là. Ah oui, effectivement. Ouais. Ça fait voilà, et alors attends, parce que là, il faut pas qu'on se perde. Il y a un passage un moment sous l'eau. Ouais, t'es où là? T'es sous l'eau? Oui, t'es sous l'eau. Je suis sous l'eau, ouais. 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 Alors, il faut juste trouver le passage. Il faut juste trouver le passage. Est-ce que ça serait pas là? En fait, t'es au courant de ce qui se passe ou tu fais au pif là? Non, j'y suis déjà allé une fois, mais je sais plus comment j'ai trouvé ça. Ah, je suis en train de me noyer là. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire moi aussi. Du coup, je remonte un peu. En fait, il y a près de l'arche, il y a comme une entrée de grotte. Écoute, là, il y a un caillou. Qui te mène dans un truc souterrain secret. Dans lequel tu peux respirer parce que sinon c'est chaud. Ouais ouais, tu peux respirer au bout d'un moment, ouais. Alors en fait faut limite mâcher, enfin appuyer très fort sur shift quand tu nages. Parce que j'ai l'impression qu'il nage beaucoup plus vite. Ah oui oui, bah ouais, shift c'est pour sprinter. Ouais mais là faut pas rester appuyé, j'ai l'impression qu'il faut appuyer plusieurs fois. Bah non, en fait c'est un mode...
C'est un mode bascule, quand t'appuies une fois il sprint et des fois il saute, c'est un peu mal merdé aussi ça. Écoute, j'ai fait le tour de ce caillou, c'est pas ce caillou. Je vais remonter parce que je m'étouffe. Ouais, pareil. Ah mais bordel, c'est où? Ah mais il y a plusieurs arches. Ah! Il y en a une ici là, mais il y en a une plus loin. Je sais pas où t'es là. Vas-y, je te suis. Tu me vois? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y en a une là-bas. Ah merde, putain, j'ai activé les touches rémanentes, nique ta mère. Ah, ça c'est chiant ça. Attends, je remonte, respirer en même temps. Mais tu vois où, de quelle arche je parle? Ouais, 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 je suis dessous là. Et ouais, il y a une mini arche. Et ça ressemble plus à l'arche qu'on recherche. Cela dit, alors, y a un requin. Je sais pas si c'est très grave, mais. Oui, ça c'est assez chiant, ouais. Alors, ouais, il y a un requin qui me suit pas mal et qui veut me bouffer, putain. Et là, il est chaud pour me bouffer, hein. T'es où? Derrière, ouais, et là, je suis mort, hein, quasiment. Mais je pense que ton entrée de grotte, elle est peut-être par là, parce que là, il y a un bout de truc. J'ai buté le requin. Ouais, attends, parce qu'il y en a une autre là, arche, putain. Non, mais attends, parce que là où j'étais, juste là, il y a un morceau de pierre. Comme un poteau, quoi, de pierre. Donc je me demande, ouais, si c'est pas par là. J'en sais rien en fait, mais. Pas, hein, parce que là il y a une autre arche avec pareil un morceau de pierre. Ah aussi. Là j'ai trouvé des trucs. Bah ouais, mais du coup tu sais pas où je suis. Attends, j'arrive. Sachant que moi j'ai plus de vie. Je respire. Je respire également. Surtout que moi j'ai plus de vie, donc. Tu vois où je suis? Bah voilà, bah là tu vois, il y a quand même un putain de. Une arche, mais en pierre. Ouais. Donc, vu qu'il y avait un poteau, là maintenant il y a une arche, je me dis, il y a peut-être plus de trucs. C'est un échec total cette mission. Non, mais c'est intéressant, on voit du paysage. Par contre, là je pense qu'on s'éloigne. Enfin, moi je m'éloigne totalement de la solution, je pense, là en me barrant. Parce qu'il y a plus de coraux, il n'y a plus rien. Mais quand je pense, oh, y a un requin à nouveau. Ah, il est où? Il est là où j'ai tiré. Il est mort? Non. Alors par contre le problème c'est que moi j'ai pas de vie, donc si ah, j'ai plus de munitions. Tiens, je te finis à l'épée. Tiens, je tape dans le cadavre. Le son est faible. Mmh. Le son du jeu ou le son de... Et bonjour Aldra. Ou le son de nous. Ah oui, c'est vrai que d'ailleurs c'est très faible. Je vais monter ça en fait. Est-ce que là c'est moins faible? Ça devrait être moins faible. Là je me monte encore et puis je te monte toi aussi. Et là tout le monde est fort. On est très fort. Ah oui, mais t'es très fort dans mes oreilles aussi. Faut que je baisse le casque du coup. Ah, par contre, je suis en train de m'étouffer. Ah. Streamer ou nager, il faut choisir. Donc du coup, toujours pas d'entrée. On est d'accord. C'est mieux. Bah tant mieux si c'est mieux. Mais, ah, j'ai peut-être une piste là. Je pense que il devait y avoir un requin ou un truc parce que je suis mort. J'ai pas vu ce qui m'a tué, mais je suis mort. Ah, t'es mort? Putain. T'inquiète pas, j'avais juste 17 boulets de canon sur moi. J'aime bien être mort, c'est joli. C'est classe. C'est classe quand t'es mort. Ouais. J'ai trouvé une entrée, et en fait c'est une fausse entrée. Ah. Elle ne sert à rien. Si Aldra est toujours là, est-ce que tu peux dire si ça rame du cul ou si tout va bien? Parce qu'au début du stream ça ramait complètement, alors que Twitch me disait qualité de stream excellent, mais ça ramait. Alors je suis à nouveau sur le. Ah ça va? Je me fais double requiné. Double requiné? Ouais, bon vas-y, on se casse de là, j'arrive pas à la trouver, ça m'a saoulé. Mais tu veux pas qu'on donc sache que non.
Normalement ici, il y a une grotte. Ouais, non mais je veux bien, mais tu veux on cherche un peu plus. Tu veux pas? Bah il y a deux requins là. Bah ça se trouve il y a deux requins parce que l'entrée est là. D'ailleurs tu les as attirés là. Ouh, ils foncent droit sur toi mec. Sérieux? Ah ouais, c'est assez beau à voir là. Alors tu comprends plus le jeu depuis l'autre soir? Oui c'est vrai, je comprends plus le jeu, notamment que il y a... Y a... C'est... Oh oui, oh, ils sont beaux. Il y a... Il y a Silab avec moi qui lui connaît un peu plus le jeu, qui m'explique ce que... Et ça marche un peu mieux. Donc du coup Aldran, il n'y a pas de problème de lag de ton côté, contrairement au début de la soirée où il y avait lag sur 20. Alors c'est bien parce qu'il peut pas m'attaquer. Ah je l'ai, putain, elle est juste là en fait. Tu l'as trouvé? Je crois. Ils peuvent pas m'attaquer parce que... Putain... Ah putain, il m'a fait flipper cet enculé. Où ça? Oh mais moi je le vois dans les airs le requin. Oui, c'est normal, c'est parce que je l'ai tué. Du coup il s'envole vers le ciel. Je te jure. Attention. Mais putain. Attends, mais il attaque sur la terre lui. Ouais, mais parce qu'on est encore un peu dans l'eau. Putain. Ouais, mais fais chier. Parce que c'était dommage, j'avais trouvé l'entrée là, mais j'ai plus de vie. Ah attends, j'ai une banane. Parce que manger des bananes. Ah, tu me suis? Ouais, je te suis, mais en fait c'est parce que c'est pas. Ah putain, il est encore là. Ah, fais-moi le malariole. Alors, attends, il y a parce deux que secondes t'as j'avais. L'entrée qui avait 17 requins, c'est tout, c'est comme les squelettes. Dès que tu t'approches du truc, il y a plein de. Regarde, c'est là. Tu me suis? Ouais, je te suis, je suis derrière. Regarde ça! C'est magnifique. Alors, j'espère qu'on peut respirer au bout. Ouais, parce que sinon on est mort. Et regardez, et là vous allez mourir noyé ici. Et là, c'est un cul de sac. Vous êtes comme des cons, hein. Oh, la belle musique. Oh. Mais ouais, le truc secret, mon gars, où il y a... Mais rien du tout. Ah, il devait y avoir un truc. Bah avant, une fois il y a des coffres, mais là il y a rien, alors peut-être que quelqu'un est passé avant nous. Bah attends, il y a pas rien du tout. C'est quoi ce carré là? Il y a rien avec ce carré? Non, c'est trop tard. Une espèce de totem là. Oh. Eh, on n'a pas fait ça pour rien. Hein. Ah putain, on s'est fait chier pendant 3 plombes pour... Ah mais s'il faut, quelqu'un est déjà passé aussi. C'est possible. C'est possible. Et ouais, parce que là y'a que dalle, on est d'accord. Ah non, j'ai fait le tour de fois là, je vois vraiment rien. Bon, en tout cas, on saura où les trouver maintenant. Eh, hey, regarde, t'as vu ma carte? Regarde, hein, t'as vu? Tiens, elle est belle. Attends, elle est jolie? Attends, parce que elle brille. Peut-être que. Ouais, bravo pour ta carte! Ouais! Ouais, une carte! Attends. Oh! Oh! On est en train de se faire niquer bateau! Non! J'entendais un bruit chelou. Putain, on avait quoi dedans? On a quoi? Rien, je crois. On avait pas un crâne? Si, on avait un crâne, oui. Eh oui, oui. Ah bah oui. Bah à la limite, on y va, on récupère le crâne et on se casse. Bah, eh non, oui, mais si on a plus de bateau? Bah si, parce qu'il suffit que l'un de nous deux aille chercher le bateau, enfin la sirène, et repasse chercher l'autre sur l'île. C'est pas faux, mais... Non mais c'est un sloop en plus, ils sont que deux. Ah mais eux, ils sont fous. Ils sont fous, les gars, je vais réparer mon bateau. Ouais, mais en même temps, t'oublies que nous aussi on a un sloop et qu'on est que deux. Ouais, mais bon. Déjà, il vise très mal. Bon, il faut réparer là pour l'instant. Je vais réparer. Et quoi? J'arrive. Surveille juste qu'il y en ait pas un qui débarque. Parce que je les trouve jamais. Elles sont là, ici là, ce truc là. Je... Il faut écoper aussi. Bah, je vais écoper et je vais continuer de réparer. Mais limite, si tu peux réussir toi à manœuvrer pendant que je fais ça. Mais Allez, c'est parti. Là, faut vraiment écoper quoi. Parce que j'ai... Ils sont vraiment mauvais, hein. Ouais, parce que c'est étonnant que. Bah, qu'on soit pas déjà à l'eau, quoi. Et qu'il y ait besoin de frotter les coques pour que ça marche. Merde. Ah, on va en frotter un petit peu. T'inquiète pas, c'est normal. Ok. Effectivement, j'ai entendu un feu. Et. Il y a pas de trou en plus. Et franchement, j'étais pas loin du trou. Ah si, il y a un trou en plus, c'est bien ce qui me semblait. C'était bizarre qu'il n'y ait pas de trou en plus. Ouais, ça m'étonnait quand même. Mais ça va, c'est un petit trou. Comme comme quand tu... La bataille est engagée là. Écoute, bah je te laisse engager la bataille, je continue d'écoper viteuf. Alors,
J'ai une mauvaise nouvelle, le jeu est en train de freeze. Est-ce que tu m'entends toujours? Ouais. Ouais, moi le jeu bouge plus. Ah! Ah C'est ouais, pas non. spécialement le bon moment pour bugger là. Il a complètement freeze. Écoute, je peux bah, le quitter, hein, et je reviens très vite. C'est effectivement pas le bon moment. Non. Je reviens au plus vite, le jeu est relancé. Le temps de chargement, quoi, donc 20-25 minutes. T'avais réparé tous les trous ou pas? J'avais réparé tous les trous, ouais. Il restait un fond d'eau à écoper, mais je pense pas que ça nous coule. En train de naviguer, tout seul. Vous l'avez lâché. Oh, mais on a grave pris l'eau! Sérieux? Ah ouais. On va couler là, je pense. Ah Mais... ouais, tout seul, je peux pas là. Ben écoute, moi je fais au plus vite, mais je pense pas que ça va... Surtout que bon, le Xbox Live comprend pas que je peux te rejoindre. Si, c'est bon, joignable. Joindre. Mais alors, ça aura jamais le temps de charger. Hein. Putain, mais ça veut pas charger. Oh, mais y a un taquet de trous là! Mais il n'y avait pas, y avait plus de trous tout à l'heure. Eh oui, mais ils nous tirent dessus! Mais pourquoi ils nous tirent dessus? Mais parce qu'ils sont. Ils sont. Parce que c'est des trous de balles. Oh là là! Bah alors là, ils viennent de. Ouais, bon, je pense que. Écoute, c'est en train de se connecter. Je te garantis rien. Je pense que c'est. Que c'est casse-couille. Sache qu'on me traite Le de problème, lag. c'est que. Je suis trop occupé à réparer pour manœuvrer et m'éloigner d'eux, donc ils arrêtent pas de me taper dessus. C'est en train de se connecter. Si j'ai de la chance, Ah. ça se connecte dans le bateau. Et je pourrais t'aider. On est en train de m'insulter sur le chat. On dit que je suis un traître, un lâche. Ah, c'est un peu ça, ouais. Mais c'était pas voulu. C'était pas voulu et... Et j'en suis désolé. Alors, si tu n'arrives pas d'ici, je dirais 40 secondes. Si c'est 40 secondes, c'est jouable. Parce que là, c'est en train de charger, ça devrait pas prendre 40 secondes quand même. Si c'est 5 secondes, c'est compliqué. Ah, je suis dessus. Ouh putain! Viens couper, viens couper, viens couper! T'as. J'ai une question, t'as bouché tous les trous? Non! Bah bouche les trous, je cope. Oh là, on est coulé! Non mais Bon, on ok, est coulé. c'est bon, laisse tomber, c'est pas grave. Là, on est. Parce que là, on est d'accord Oh que. putain, attends, il y avait un baril de poudre sur le mât là-haut. Putain, si j'avais réussi à le récupérer. Merde, mais le jeu a considéré que j'étais mort aussi, j'ai l'impression. T'es mort? Bah, j'étais dans le bateau pendant qu'il a coulé, et je pense qu'il s'est dit non, mais lui, il va pas réussir à sortir. Je sais pas, j'ai un temps de chargement, je sais pas ce qui se passe. Ah, mais parce qu'en fait, des fois quand t'es coincé, en fait, le jeu te téléporte. Ah, bah là, je crois qu'il me téléporte. Le jeu, il a pas envie que je joue avec toi là, sur ces 5 minutes. Effectivement, il m'a téléporté dans l'eau. Ah ouais, t'es Ah. juste au-dessus de moi. Attends, ils sont toujours en train de nous tourner autour là, ces bâtards? Bah, je sais pas. Parce que j'ai un baril de poudre dans les mains là, en fait. Et je vais aller leur péter à la gueule. Ouais. Est-ce que tu veux que moi je prenne un bateau et que je te rejoigne plus tard ou Attends, je suis juste à côté de toi. Ah, mais c'est la tempête en fait en haut là. Ouais, du coup Ah qu'est-ce qu'on fait? merde. Parce que là je les vois pas moi. Bah ouais, non, là on peut pas les voir. Merde, fais chier. J'ai quand même un baril de poudre dans les mains quoi. Bah si tu veux, reste là et moi j'essaye de te rejoindre plus tard, mais tu sais où t'es? Pas du tout. Bah voilà, ça va être un peu Attends, je vais pénible. tenter une expérience. Qu'est-ce que tu Ah ouais, tentes? ça marche. J'ai fait péter le baril de poudre au fusil. Bon, elle parle à la sirène, elle a le truc vilain là qui a un fumigène dans les mains. Moi j'avais pas appelé ça une sirène avant. T'es avec moi ou est-ce que t'es sur Blackwater Enclave? Yes. Donc on est ensemble. Alors là, bah, il faut récupérer des planches, des boulets de canon, enfin, fais tous les tonneaux que tu trouves. Ah ouais, et regarde, Oui? si j'arrive. En fait, si tu prends ton épée, Ouais.
et que tu laisses appuyer le clic gauche, je crois, ça charge une attaque. Et dès que tu lâches, ça te propulse. Et si t'es bien positionné, ça te fait surfer sur l'eau. Donc voilà, j'y arrive pas là, mais normalement ça marche. Voilà. Ah, bien joué. En fait, il faut être vraiment à la limite entre la terre et l'eau. Bon, voilà, ça marche pas. Ouais, donc je disais avant que tout plante et que ça casse les couilles, que il y a un gars qui s'appelle Alf qui avait dit « Bon, écoute, je te suis sur Twitch, dès que tu fais un live, je viens, je te suivrai, je veux des lives tous les soirs, maintenant, je suis à fond sur Twitch. » Et il est jamais venu. Oui, ouais, ça m'étonne pas. Même la dernière fois, il était en ligne et il est quand même pas venu. Et il devait être en train de dormir pendant 24 heures. Alors, on est où là, putain? Mais c'est ça, ces deux enfoirés nous ont coulé quand même, quoi. Bah, c'est des trous du cul, hein, écoute. Ah, mais du coup, si, je sais où c'est qu'on était en plus, puisque on était près de Shark Tooth machin. Ouais, on aurait pu. Mais bon, enfin, c'était la tempête. Putain, j'arrive pas à trouver les endroits où je peux mettre. Ah, mais je suis con, les boulets de canon, c'est en haut. C'est pour ça que j'arrive pas trop. Ouais, c'est sur le pont. Ouais, mais alors, je les... en fait, j'ai pas besoin de les stocker. Donc, c'est quoi que j'ai récupéré des planches? Bah non, bah je sais pas ce que j'ai récupéré. Mais en fait il faut utiliser dans la main. Ah. Pour stocker l'objet juste nommé. Le 6 nommé... C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai dans la main là? Je veux pas savoir. Mais t'es où? T'es où justement? C'est quoi ça? Ça bah laisse appuyer sur clic gauche. Ah voilà. D'accord, c'est un instrument. Comme ça on peut faire les copains. Cette musique. Alors, j'avais pas compris. C'est ça, c'est quoi? Et alors. Ok. Quoi? Prends. Regarde, prends. T'as une chope. Ouais, je peux voir, oui. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant toute la première fois que j'ai joué. Ah, c'est cool. Ouais, après tu vomis et tu prends ton seau, tu peux vomir dans ton seau et le balancer à la gueule des gens. Ah, je savais pas ça. Ce qui est ultra fun. Je savais pas que tu pouvais prendre le seau pour vomir. Écoute, j'ai peut-être pas assez bu parce que je suis pas si bourré que ça. Ouais, alors après c'est chiant d'être bourré. Ouais. Écoute-moi. Ah non, mais on est toujours sur ce voyage-là. Ah bon, bah on va faire ce voyage. Hein. Bah du coup, on a... Attends, mais Ah bah oui, ok. Tiens, Barnacle Cave, c'est ici. Putain, j'arrive même pas à mettre là. Oh, mais on a Perpète. Ah non, mais c'est mort là, Bah si tu veux, je peux en choper une de mes missions à moi, parce que finalement j'en ai deux. Tu veux qu'on annule? Allez, vas-y, on va annuler ça là, ouais. Ah, attends, j'essaye d'annuler, mais c'est compliqué. J'ai un chier sur annuler. Alors j'ai le coffre volé par le pitoyable Hook. Ou le pactole accumulé par le pitoyable Pinch. Prenons celui-là. Moi je vote pour ce voyage. Je vote pour ce voyage. Oh, ok. Allez, voyage, hein. Eh, monsieur, il y a deux cartes. Ah, il y a deux cartes. Alors, une île en forme de hérisson et une île en forme de... Ah, oui, mais ça, c'est la tri rock, je sais pas quoi, là, j'ai déjà vu. Ça, ah, attends, tu l'avais là, la première. Vas-y, remonte. Remonte. La Marauders Arch là. Ah, c'est Marauders. Ah oui, donc c'était pas du tout la Tri-Rock, mes couilles. Je suis Marauders. Et la deuxième, c'était quoi? La deuxième, elle ressemble à un hérisson. Mais qu'est-ce que t'appelles un hérisson? Attends, je vais regarder moi-même. Bah, c'est un petit animal qui ah pique oui, qui se prend. T'as raison. Qui est trop mignon. Ça ressemble trop à un hérisson. Bah oui. Je me disais, il ment. Ah non. Je suis juste fan des hérissons. Ah, mais on y est! Bah, parfait! Voilà! Bah, on y va! Ah, puis en plus, c'est juste là! Non, mais putain, mais c'est pas beau ça! On a vraiment pas fait exprès! Hein. Voilà. Et puis en plus, premier coup de pelle, il l'a! Voilà, parfait! Bon, par contre, c'est un coffre de merde, hein! Tu feras mieux la prochaine fois! Ah ouais, c'est un peu nul à chier! Tiens, regarde! Je te jette de l'eau à la gueule! C'est qui ça? T'es puni, je te mouille. Puisque je peux pas te jeter mon vomi parce que j'ai pas vomi.
Alors du Ah, coup, mais... île suivante, on sait Attends, pas. c'est... Parce qu'on est trop près de notre destination. Est-ce que c'est un... Non, c'est bon. C'est où? Ah bah c'est juste au-dessus. Donc nord-ouest et Ah on... bah c'est quand même bien fait, hein! Alors là, on est bien tombé. Hein. Non mais la carte, Alors toi, faut tu que tu la laisses mettes... le... Voilà. Ouais, j'ai décidé de le laisser en évidence celui-là. C'est un coffre à pas. Alors j'ai dit quoi, nord-ouest? Ah oh, bonjour monsieur. C'est marrant parce que tu ressembles un peu à Nico. J'ai le scorbut. Alors là, tu nous amènes droit vers une catastrophe là. Non. Ah, succès déverrouillé. Catastrophe en vue. J'ai un succès, j'ai un succès! C'était quoi? Voter pour le voyage d'un autre. Ah ça c'est un Ce sacré qui succès. prouve. Ça c'est. Au secours. Sauf à la barre. Non mais depuis tout à l'heure je suis à la barre et tout se passe très bien. J'ai même fait un super atterrissage de bateau là. Ouais, Dans un un frein à barrage. main magnifique. Au frein à main, je ferai un clip Twitch. Mais bon, je sais pas trop si c'était bien calculé, mais en tout cas, c'était Bah magnifique. non, enfin c'était ni calculé ni molette. J'ai fait un truc. Disons que je me suis dit, au pire, ça va s'arrêter pile devant. Je me suis pas dit, au pire, ça va faire un dérapage et ce sera trop classe. Ok, donc c'est clairement le truc à gauche. Ouais, totalement. Et du coup, c'est vers où dans l'île qu'il faut qu'on arrive? Je vais te dire On va c'est... passer dans la petite crique. Donc on va arriver par Ouais, là-bas au niveau de directement. la couille gauche là. La couille gauche. La couille gauche sur la triple de couilles. Pas la paire de couilles, mais. triplette de Ouais, couilles. Oh, tu sais jouer triplette, hein, belle. galérer pendant 30 minutes à aller sur île alors que tu as moins de 2000 de... Oui, c'est vrai que la première partie, j'ai fait un peu des zigzags. Attention, il y a un bateau. Tu Où le tu vois vois ou un pas? bateau? Ah non, pas du tout, c'est pas un bateau. C'est quoi? Ah, ah non, c'est une tour. Ah, elles sont en forme de bateau un peu. On croit que, et en fait, non. C'est Ouais, il y a vicieux. un grand truc comme un mât. C'est que des tours, hein. On n'a pas de bateau. On flippe pas. Ouais. Ok, on flippe pas. Très bien. Allez, Par le tire contre, dessus, les bâtards. elle tire dessus la tour, on est d'accord. Hein. Ouais, mais c'est les squelettes, ils sont un peu teubés. Sauf il est trop bourré encore. Je ne sais pas quoi. Ouh. Ouh, ils sont belliqueux ces petits squelettes. Ouais, bon, il vise pas très bien pour l'instant. Enfin, on est surtout beaucoup trop loin en fait. Oh ouais, mais attends. Heureusement qu'on va Bande pas de se retrouver finir. là-dedans. Bon, pas de bateau à l'horizon. Ah, attends, ressors-moi la carte. C'est où exactement? Ouais, c'est loin. Bah là, il faut que tu piques ouais, un peu sur la Alors droite là, et... je vais prendre un virage grand angle. Attends, je vais relever les voiles, comme ça tu vas un peu mieux tourner. Ouais. Mets-les bien plus haut encore, je pense, hein, parce que là. Là, il faut que t'ailles... Ouais. Bah, baisse la vitesse parce que là, j'arriverai pas à tourner sinon. Si, en montant Bah. les voiles, normalement tu tournes mieux. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je te disais, on baisse la vitesse Ah pour là, on va tourner. plus avancer, là. Non, mais là c'est bon. Ouais, bon, là on n'avance plus, mais enfin. Il faut que tu vises le petit trou droit devant, là, en fait. Ouais? Mais par contre, là, faut quand même que tu la redescendes un tout petit peu. Non, mais pas autour! On va se manger Mais le si, milieu, hein! on arrive en contre nous, t'inquiète. C'est Ouais, calculé, c'est calculé. c'est calculé, c'est calculé. It's calculing, yeah. Mais non, trop tôt! Non, pas trop tôt. Ah, y'a un truc qui brille sur la plage! Les petits piercings. Wow! Bizarre. Ben, on se fait tirer dessus là. Putain, mais qu'est-ce qui c'est? Il faut aller réparer le bateau là. Bah j'y vais. J'y vais, Je mais ramasse la alors bouteille. y a un souci, faudrait que t'ailles voir. Ouais, je vais aller les calmer là. Qui nous tire dessus? Parce que là on se prend sévère quand même, hein. Parce qu'on est plein face sur eux quoi. Attends, Oh mais c'est pas putain. les squelettes quand même qui... Ah non mais là c'est chaud là, hein. Je sais pas si je peux le réparer le bateau, hein. Mais si, je compte sur toi, je compte sur toi, je suis en train de Ouais, naver non, là. mais on a déjà rempli la moitié de la cale, hein.
Bah, répare un trou et cop, répare un trou et cop. Putain. Ça prend du temps de réparer. Mais de toute façon, on a. Bah, oui, ça prend du temps, c'est pour ça que je galérais tout à l'heure tout seul. Alors, mais là, je suis sous l'eau. Hein. Je suis sous l'eau et j'ai pas réparé tous les trous. Et cop, fais que les couper, j'arrive. Ouais, mais et cop, attends, moi je suis pas assez bilingue. Pour mettre le bon saut là. C'est bon, c'est bilingue bon. Du saut. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à boucher tous les trous, maintenant j'ai cop. Ah. Et franchement, là c'était in extremis. Hein. Je parle pas très bien l'extrême droite, mais je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, c'était quoi? C'était des squelettes qui nous tiraient dessus comme des connards? Oh, ah, c'est un squelette, il s'est chauffé là et il était content. Mais il tire avec quoi? Il y a un canon sur la plage? Ouais, il y a des canons en fait répartis sur l'île et du coup. Bon, bah, recommence. Bon, du coup, j'ai trouvé une bouteille qui nous a filé une nouvelle carte. Ah non, c'est une. Il faut qu'on livre une caisse de boulets de canon. Et comment on a une caisse de boulets de canon? Bah, tu prends une caisse et tu mets des boulets de canon. Tu mets des boulets de canon et on se fait une caisse de boulets de canon. Tu penses que c'est ici? Non, attends, je regarde si je trouve pas une caisse en fait. Ah non, sauf mais que non. Ah, elle est pas forcément ici. Le coffre il doit être là. Là. Ici là. Non, raté. Là. Ah oui, joli. Bah, c'était mon deuxième essai, hein, c'est pas le premier. Alors, c'est un coffre totalement ordinaire, on dirait. Merde. Non. Coffre... Ah non, coffre d'aventurier, c'est un peu mieux. Ah bah, c'est pas mal. Ah mais attends, mais il y a un fort, en fait on est sur un fort, d'accord. Notre bateau ne coule pas, c'est bien. Je fouille le fort vite fait voir s'il n'y a pas okay. Un truc qui pourrait servir à mettre des boulets de canon en fait. Et là il met fin de l'aventure, pour Syllab. Bonne nuit. Alors, ah mais il y a des débris dans l'eau et tout. Je confirme que j'ai bien bouché tous les trous. Ah oui, mais on avait un coffre sur le pont aussi. Coffre de naufragé. Ça aurait été cool. Eh oui, c'est le coffre à pas. À pas ? Ouais, comme ça les mecs ils rentrent et se disent ah, un coffre de merde, et ils cherchent pas les autres. Ouais, mais ils nous auront tués quand même donc. Ouais, mais tant qu'ils coulent pas le bateau, on réparait dessus donc on peut venir les embêter. Putain, mais y'a rien dans ce fort là, y'a rien. Même pas un baril de poudre, sans déconner. Je veux pas dire que j'ai envie de pisser, mais... Je veux pas dire que j'ai envie de fumer, mais... Enfin, si moi je vais pisser et que toi tu vas fumer, on laisse le bateau sans surveillance, normalement... Voilà, on va rendre les coffres avant. Ah oui, oui. C'est obligatoire, mais... Bah attends, mais j'aimerais bien trouver... Parce que, en fait, la livraison, on doit la faire à un avant-poste, là où on peut vendre les coffres, donc ça serait... Pas mal d'avoir la caisse des boulets de canon. Je vais rester sur la vigie en attendant que tu reviennes pour voir si ouais bah, je suis en train de fouiller un peu tout là pour voir si notre mort est prochaine ou très prochaine. Écoute, là j'ai un coffre de munitions là comme ça, je dirais que oui on va mourir mais je sais pas quand. Ah putain, mais la caisse il faut la récupérer auprès d'un marchand. Ouais, tu ah, mais oui, mais si. Tu peux c'est très bien. Les caisses ah. Et tu les remplis. Ouais, voilà, et des boulets de canon, on en a plein. Mais alors, moi je me suis fait niquer la dernière fois parce qu'il disait de récupérer des poules. Ce qui était très bien. Mais en fait, j'ai récupéré qu'une seule caisse. Et tu peux mettre qu'une poule par caisse, j'avais l'impression. Ah oui, ça c'est. Oui, ça c'est. Du coup, il fallait deux caisses quoi. T'es dans le bateau? Ouais, ça y est, je suis là. Mais le bateau il bouge ou c'est moi qui ai l'impression? Non, là je lève l'ancre. Écoute, moi je sonne la cloche. C'est parfait, c'est parfait. Écoute, on doit aller au sud. J'y vais. T'es sur le toit là? Non, je suis en train de conduire. Ah ouais, putain, mais on est loin. On est pas si loin. Et peu quand même.
Ah ouais, puis en plus on a le vent de merde. Ouais. Putain, il y a exactement à peu près 7000 îles devant moi. Donc j'espère que si il sonne le repas. Je sonne la retraite. Ah non. Il est con. Mais non, c'est bon, regarde mec. Coucou. Ah, j'ai réussi à choper le bateau, quoi. Faut que t'arrêtes de jeter le bateau. En fait, j'ai essayé la technique de l'épée depuis le bateau. Ça marche et bien. Ça te... Ouais, ça marche bien, ouais. Ah putain, il y a 3 personnes sur le live. Juste quand on a dit qu'on allait pisser et qu'on partait et tout. Oh, on va se relayer. Non, mais de toute façon, c'est le temps qu'on arrive et tu sais bien qu'on va vivre 1000 aventures avant de... d'arriver là-bas. Y'a pas un truc à droite? Il tape. Oh! C'est encore l'île qui nous tire dessus! Oh, ils vont nous enfler les enfoirés! Oh! Il nous vient en plein sur la gueule! Ah, pas loin les gars! Ah oui, il pourrait nous avoir en fait! Ouais, regarde, il c'était pas loin! Ah, il a progressé! Ils ont changé de tireur! Il s'est entraîné! Putain, mais je me rends compte que je suis pas du tout cadré sur ma webcam! Je sors complètement de l'écran. Ah, et puis qu'on voit l'étagère aussi. Alors que j'avais dit, moi, jamais d'étagère sur ma. Ah, ben voilà, voilà. Et puis garder un cap aussi, tu l'envisages ouais, un jour je ou... faisais des manœuvres d'évitement des boulets. Et non pas des manœuvres de boulets d'évitement. Je m'éloignais un peu et en plus j'évitais l'île aussi parce que garder le cap, t'es gentil, mais on se serait pris les rochers là. Attends. Ah non, c'est bon, tu vas aller tout droit là, c'était bien. Ah bon? Ah bah. Ah mais t'as bien contre-éviter les rochers en fait, d'accord. Voilà, maintenant il faut que tu retournes un peu à gauche. Bah c'est ce que je fais là, je fais à gauche tout. Ah oui non mais là t'as été ambitieux là. Ah vas-y, on va voir si ça passe. Non ça passe je pense. Ouais ouais ça passe. Ça passe parce qu'on est un peu contre le vent donc on y arrive pas vite. J'ai quand même joué un peu avec l'accordéon pour frayer les cailloux. On est passé quand même de 3 viewers à 0 en une seconde. Ah, les gens sont intéressés quand même. Ouais. Je vois un bateau. Tu sais que j'ai fait top 6 sur PUBG. Eh, pas mal. Moi j'ai fait que 2 kills, mais. Ouais, mais c'est bien. Il y en a un qui était violent. Enfin, je me suis stressé, j'ai réussi à tuer le mec. Mais il visait très mal aussi. Et l'autre, c'était un gars qui visait bien, mais moi j'étais en voiture et j'ai fini par réussir à l'écraser. C'est les meilleurs ceux-là. Ah, j'étais fier de moi là, sur l'écraser c'était génial. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à PUBG. Mais et après j'ai été dégoûté parce que j'ai en fait, il y a un gars qui m'a tiré dessus, il a défoncé la voiture, donc du coup j'étais obligé de sortir. Et le temps, j'ai pas eu le temps de viser en fait, il m'a buté avant. Et en plus, quand j'ai regardé la deathcam, j'ai vu qu'il ne restait rien du tout de vie. Genre, il s'était fait tirer ouais. dessus en même temps par un gars derrière. Et juste, il s'est caché une demi-seconde. Et s'il s'était pas caché, il serait mort devant moi. Par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Tout droit là, je pense. Non, pas du tout. Complètement. Pas du tout, ouais. Ouais, c'est complètement à gauche. Complètement à gauche, ouais. C'est ce qu'il disait, tout droit à gauche. Tout droit à gauche, ouais. Ça, cette île-là, elle est pas sur la carte non plus, hein. Tu vas prendre descendre pour la grotte. Eh, t'as vu, elle était l'empêche la grotte. Bah, bien sûr qu'elle y était. Toi, au début, tu voulais plus me chercher quoi. Au bout de 5 minutes, t'abandonnes. Ouais, c'était un peu relou. Y'a un bateau à droite. Mais ça tombe bien, on va à gauche. Ouais, faut que t'ailles bien à gauche là. Ça doit être l'espèce d'arche qui est à gauche là. Tu penses? Ouais, ouais, c'est ça, ça brille, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je le vois pas briller, mais c'était en haut non? Non, même pas. Non, non. Là, tu vois l'espèce d'arche là immense? Ça brille au dessus. Je vois pas de lumière dessus. Ah, tu vas voir. T'as les détails qui sont pas encore affichés, je pense. Ah, parce que j'ai mis un minimum. Ouais. Pour être sûr que ça me passe pas chier. Par contre, j'ai perdu le bateau de vue là. Je sais pas s'il venait sur notre avant-poste ou pas. Bah, le bateau il est sous tes pieds. De toute façon. On a... Ah la bonne blague. Ah qu'est-ce qu'il aime le mot. Ah l'humour de qualité, la galéjade.
Ouais, c'est ça, c'est totalement large. Par contre, le vent, on le prend pas du tout là comme ça. Je pense qu'il y a aucun moyen de le prendre en plus. Attends. Là, on est juste contre le vent. Ah ouais, là, on est dans la merde. J'aimerais bien retrouver le bateau que je voyais, le petit sloop là. Ah, il est là-bas, non? Quoique, non, si tu le prends dans l'autre sens, bah non, on sera quand même contre le vent. Ouais, là, non, là, on est vraiment dans la merde. Donc, il y a un bateau. J'ai l'impression que les icônes là, ils te mettent sur les îles, c'est complètement de la merde. Parce que là, c'est un bateau échoué alors que c'est un avant-poste complètement habité et tout. Ouais, mais il y a un bateau échoué en haut. Ouais, peut-être, allez. Bah ouais. Allez, on l'accepte. Puis ça s'appelle la tombe du galion. Donc, Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, si tu peux nous garer assez vite là. Ouais. Et aussi assez au bon endroit. Bah voilà, c'est surtout ça quoi. Si tu veux, je peux nous garer au paddock normal. Au petit dock qu'il y a juste là. Ah bah non, c'est le dock normal. Bah au dock normal. Ouais. Ouais, voilà, on va faire ça. Hein, allez. Après, je suis à contre-vent, hein, donc je fais de mon mieux quoi. Ou sinon, je me fous juste là à côté de la plage. Hein. Ouais, mais non, on est trop loin là. Ah, parce que vu qu'il y a un sloop qui traîne dans les parages, que j'ai encore perdu de vue. Alors, ce qu'on va faire, c'est tourner. Tourner. Et au dernier moment, tu vas-y, contre-braque tout à droite. Maintenant, vas-y, tout à droite. Je l'ai lancé trop tôt, dommage. Ouais, ça aurait été pas mal. Hein. Comme et ça, on fait un frein à main à droite. Un peu loin. On s'en fout. Un peu loin. Ouais, on s'en fout. Ouais. Ok. Ah, mais en fait, on a que deux coffres à vendre. Attends, non, parce qu'on en a un en haut aussi. Ah, ouais, bah oui, mais j'ai compté celui d'en haut. Bah, c'est déjà pas mal deux, non? Ça fait mieux. Ouais, c'est quand même. Putain, et en plus, on s'est fait niquer le coffre, le crâne tout à l'heure. C'est vrai. Ah, je t'ai sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus personne qui nous regarde, on va pouvoir aller pisser. Ah! C'est marrant, t'as vu, il y a un galion en haut. Ouais. Une épave de galion. Bonjour. Ah, t'es moche, toi. Ouh, qu'il est vilain. Dégueu. 102, putain, mais on a rien. Bon, là, là, là. Bon, bah, du coup, on fait une petite pause. Oui, éventuellement. Hein. On va peut-être se faire péter le galion, le sloop. Elle va se faire péter le gaillon. Je vais me cacher là, moi, voilà. Où ça? Je suis sous le ponton. Ah ouais, marrant. T'as un hibou. Moi je vais me mettre derrière Scarlett. Ah non, je peux pas. J'arrive pas. Bon, du coup j'ai fumé une clope avec madame et puis je reviens. J'en ai pour 5 minutes. Ouais, bah, ok. Je vais pisser, j'en ai pas pour 5 minutes. D'accord, bah au pire, pars et commence à faire une quête. Hein. Bah, oui. On a une bouteille à trouver là. Ah merde, non, c'était la caisse de boulets de canon qu'il fallait livrer. Qui dit qu'il est là. Mais aussi, c'est les compteurs de viewers qui se mettent pas à jour. Bah, on est désolé, d'accord, on va faire une pause de 2 minutes parce que j'ai envie de faire pipi et qu'il a envie de fumer. Hein. Mais moi, je reviens dans une minute. T'inquiète pas, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Yes, à de suite. Je livre la. La caisse de boulet là, et j'arrive. Allez, on faut 50! Votre pause, nos soucis. Eh bien, merci Stéphane.
comme tu peux le voir, c'était une petite pause pour ma part, car je ne fume plus, et j'en suis très heureux. Donc je vais juste regarder si on n'est pas en train de nous tuer. J'ai pas l'impression. Je vais regarder un peu tout ça, genre, qu'est-ce que... Cette personne mystérieuse, est-ce qu'à un moment donné, elle va faire quelque chose? Ton niveau sonore est plus faible que celui de ton acolyte. Alors attends, je peux me monter. Est-ce que là... Ah oui, effectivement, j'étais un peu faible. Mais là, je trouve que je suis un peu fort. Là, tu me trouves comment? Comment tu me trouves? est-ce qu'on est mieux? Alors, je vais en profiter pour recadrer la webcam aussi. C'est pas du tout bien cadré. Ok. Je vais mettre un petit peu plus haut. Et là, on voit encore un peu l'étagère que je vais juste décaler. On la voit encore. On voit toujours. Ou alors comme ça, comme avait fait Phil. J'aime pas quand Phil a raison. Ah putain, mais il avait raison, c'est trop bien comme ça. Juste on voit l'interrupteur, donc faut juste le bouger un tout petit peu. Mais... Et puis là on voit... Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi? Ah, c'est le micro. On va le mettre comme ça. Comme ça, comme ça. Ou sinon on voit le micro et tant pis. Sinon, est-ce que vous m'entendez correctement comme ça? Ah bah j'ai peut-être même l'impression que c'est un peu mieux, non? Au niveau du son. Moi aussi, j'ai arrêté de fumer depuis un an et demi. Je te trouve beau, très séduisant. Tu parlais du son, nickel pour moi. ouais, et ben, franchement, on est mieux sans fumer, non? Je dis ça, je dis pas ça pour l'autre là qui est parti fumer, là, mais... qui doit entendre de loin s'il est revenu. Je vais juste voir, parce que là, maintenant, ça fait un truc rouge dégueulasse, là, évidemment. Webcam. Configurer la vidéo. Alors, mise au point automatique, désactiver. Je passe ma vie à désactiver les mises au point automatiques. Ah non, là, ça fait des trucs chelous. Ah là, ça marche bien, mais je suis jaune. Ouais, donc là, en fait, je pourrais pas faire grand-chose. Il y a une histoire de lumière aussi, hein, évidemment. Ouais, bah, j'ai arrêté de fumer il y a un an et quelques, genre quelques semaines. Un an et un mois, un truc comme ça. Et pareil, ça me fait très plaisir au quotidien. De temps en temps, je me dis, ah tiens, c'est vrai que je fume plus. Et c'est vrai que ça me fait plaisir parce que ça marche bien de pas fumer. J'aime beaucoup. J'ai un peu réglé le problème là. J'ai des petits trucs de merde sur ma bouche. Problème d'avoir un fond rouge et pas un fond vert. Ah mais en fait vous voyez pas ma vie. Je vais me mettre comme ça. Ah mais là on voit l'interrupteur. Quel interrupteur nul. Transformer, éditer la transformation. À gauche. Renier. Plus que ça. Et plus vite. Parce que là c'est long. Hop. Là on est pas mal. Ah mais il m'a complètement déformé. Là on doit être à peu près bien. Je pense. Je ne sais pas. Écoute, si tout est nickel, là par contre je suis peut-être pas trop fort. Est-ce que là on m'entend correctement? Je pense que oui. Est-ce qu'on entend correctement que j'ouvre un putain de truc? Alors moi ça a été très dur de m'arrêter de fumer parce que en fait j'ai commencé à vouloir arrêter de fumer en 2011 et il n'y a que l'an dernier que j'ai réussi réellement. Que j'ai réussi à le faire très sérieusement. Ça s'est passé pendant un moment où ça allait pas du tout au niveau du boulot, donc du coup je me suis retrouvé en arrêt maladie. Et en même temps j'enchaînais l'arrêt de la cigarette et c'était 6 mois après avoir perdu mon père.
Donc tout se déclenchait un peu en même temps. Enfin, l'arrêt maladie, c'était aussi parce que j'avais perdu mon père 6 mois avant. Donc du coup, ça allait pas top. Et du coup, le boulot empiétait sur le fait que ça allait pas top. Enfin, ça se cumulait, quoi. Du coup, ça a été un peu une espèce de gros boulot d'égorgement. Comme ça qu'on dit, d'étranglement. Qui était un peu le bordel. Et du coup, après, bah, tout s'est passé. Et j'ai sorti la tête de l'eau. J'ai fait, ah bah tiens, bah, en plus, je fume plus. Donc c'était pas si mal. Je mange un Twinkies. Et effectivement, ouais, moi, entre mon père et la clope, j'ai pris 20 kilos, quoi. Mais je suis en train de les perdre petit à petit. J'en ai perdu 8 ces derniers mois. C'est long. Surtout quand on mange des Twinkies. Je sois 5 chez tout le monde. Ouais, moi ça a été un peu plus long que 3 jours. Moi. Je t'entends, hein? Je t'entends. J'ai tout entendu. Bonjour. Hein? J'ai tout entendu. Entendu quoi? Quand t'es arrivé. Ah. Alors je crois que je vois un bateau au loin. Oui. Oh merde. Mais il va pas vers nous. Enfin, il a pas l'air. Il a l'air de se barrer. Sauf si c'est parce pas que la caisse, il faut mettre 50 boulets dedans. Attends, je surveille. Putain, mais c'est bugué cette merde ou quoi? Non, non, il a l'air de partir. Il va vers l'île d'à côté. Par contre, il va peut-être venir après, du coup. C'est possible. Je le surveille un peu. Hein. Je suis en train de remplir la caisse, mais on n'a pas assez de boulets pour la remplir en entier. Ah, il tourne, il vient. On se casse? T'as des caisses? Enfin, fuyons. T'as des... Ouais, j'ai tout sur le bateau. T'as... Il nous manque 10 boulets. Enfin, la question, c'est t'as des quêtes à faire ou on se casse à l'aveugle? Ouais, non, j'ai des quêtes. Ouais. Ouais, on est dans le vent, c'est bon. On est dans le vent. On est deux garçons dans le vent. Yeah. Ouais, il vient vers nous là, non? Bon, je le vois pas, mais... Non, je suis sur la voile, là. Je le vois plus. Non, il vient grave vers nous. Par contre, tu nous as mis contre... Ah bah, contrat expiré. Ah bah, contrat expiré, bon, bah voilà, bah, on va récupérer nos boulets. Merde. Et alors, il est où ton bateau? Sinon, je me mets plus près du micro et ça marchera mieux, hein. Est-ce que tu m'entends correctement, Stefcore? Qui est sur le chat, ouais. YouTube. Parce que toi, tu m'entends avec un son dégueulasse de la webcam, Sylvain. Non, moi je t'entends bien. Ouais, mais je pense que c'est le son dégueulasse de la webcam. Peut-être. Qui doit être pas si dégueulasse, mais... Donc du coup, on va où? Alors attends, je suis en train de restocker les boulets de canon, du coup, parce que ça ne sert plus à rien. Écoute, là, y a rien devant nous. Bon, y a peut-être quelqu'un derrière nous, mais je ne sais pas. Donc du coup, je vais regarder... qu'est-ce qui se passe si on va au bord de la carte? Il se passe que c'est une tempête méga géniale et qu'on coule assez vite. Bonne ambiance. Alors, on va pas y aller. Voilà. On va éviter. Vers là-bas. Alors attends. Mais on a un voyage en cours là. Ouais, hop, là, voilà. Le voter. Alors il faut aller sur l'île. L'île Pénis. L'île Pénis. Attends, je vais mettre plein nord et on va avancer tout droit en mode on s'en fout. Ah bah non, il faut aller au sud. Bon bah je vais au sud. Carte découverte. Ah bon? Ouais, j'ai noté la map. Ouais. Plein sud. Ah putain, j'ai déjà fait cette île dans ma vie. C'est pas Tree Rock ou un truc comme ça? Je vais te dire ça. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je pensais que c'était celle-là tout à l'heure, en fait, pas du tout. En fait, c'était pas du tout celle-là. Attends, j'essaye d'avoir un son correct.
Et c'est compliqué. Je pense que je vais être obligé de vraiment mettre le micro près de ma bouche. J'aime pas ça. Attends, mais pourquoi? Et si je fais ça? Que je remonte le niveau global de tout. Ah, mais là, c'est, ça commence à être très fort. Moi, ça va. Mais... Putain, y'a un sloop sur notre gauche là-bas au loin. Je sais pas si tu le vois. Alors, je le vois. Ouais, très loin, oui. Ouais, fils de sloop. Maintenant, il est derrière nous. Pas du tout en train de tenir le cap, du coup. Totalement à l'opposé de. J'ai fait un tour complet là. Ah oui, là c'est. Tu vois notre trace, c'est n'importe quoi. Ouais, parce que j'étais en train d'essayer de régler le son en même temps, c'est le bordel. De toute façon, on l'a déjà dit, hein. Streamer et naviguer, il faut choisir. Alors. Il est passé où ce con de bateau là? Alors, Steph Korn, ah, ouais, c'est de nickel. Donc, ça doit être son nickel, j'imagine. Bon, ouais, tu vois, je crois qu'il vient vers nous là, ce putain de bateau. Il vient vers nous? Ouais, bah là on fonce sur lui là déjà. Ah bon? Tu le vois un peu ou quoi? Ah oui, tout à fait, oui, on fonce sur lui, ouais. Il est au bout là. Attends. Bon, c'est pas grave, vas-y, on va. On va bah, parce sur qu'en notre fait on charisme. Y va pas exactement, parce que nous on va au sud et il est au sud-ouest, mais. Ouais, il passe derrière une île là, ouais, il doit aller à l'avant-poste. Bon, en fait, faut qu'on aille au sud-ouest, mais. On va passer par le sud au pire. Je ne sais pas. Oh, mais vas-y, vas-y. On va l'impressionner. Regarde, j'ai une lanterne. Tu vas l'impressionner avec la lanterne? Ouais, regarde, le mec il fait pas le malin. Hein. Il fait pas le malin avec la lanterne? Enfin, en voyant ta lanterne. Je lui montre ma lanterne. Ah, je pense qu'il va à l'avant-poste. Non, pendant que tu fumais, on était en train de discuter du fait que arrêter de fumer c'est cool. Ouais. Comment est ta consommation de cigarettes depuis que tu as quitté cet emploi beaucoup moindre. Je dois en fumer. Parce que tu fumais pas beaucoup, toi. C'était plus. Ouais, c'est un hobby. Chiant, hein? C'est un hobby. C'est un hobby. Fumeur loisir. Moi, j'étais fumeur loisir. Ils sont arrêtés à Lille en fait, les mecs là. J'ai croisé Manu et il me disait que lui il fumait maintenant plus qu'en soirée quand il buvait des bières. Bon, le problème c'est que il doit faire ça un soir sur deux, voire 4 soirs sur 6. Ouais, bon, apparemment la dernière fois il disait qu'il s'était calmé quand même, mais bon. Oui, enfin, je sais pas si tu te rappelles la fois où il avait dit cette semaine je peux pas parce qu'il faut pas que je sorte. Et finalement il était sorti tous les soirs de la semaine. Oui, c'est vrai. C'est marrant parce que t'as sauté et t'es pas tombé à l'eau. Par contre, on va vraiment pile sur le. Bah, je crois qu'en fait, il est à Lille où on doit aller. Tu penses? Ah ouais, ça va dans tout l'air. De toute façon, on a plus rien sur nous. Donc au pire, on les défonce. Voilà. Bon, on a quand même une caisse de boulets, mais on s'en fout. Oui, il y en a partout. Des boulets. C'est Lille qu'on doit faire, ça? Ah oui. Ouais, ouais, je pense que c'est exactement ça. Bah tu vides la caisse de boulet dans les canons et et on les défonce. Non, je vais préparer des ça canons. C'est un gars tout seul. Attends, mais y a c'est pas de une approche. Ah non, y a un une approche en colimaçon. C'est-à-dire autour de lui? Ouais, comme ça on en va spirale. Le. Ouais, en escalope un peu, tu vois. Je vois en plus. Un peu comme une côte de porc. Ouais, tout à fait. Attends, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le bateau là? Bah, il a disparu, on est d'accord? On est d'accord qu'il n'y a plus mais... de bateau? Là-bas, il y a des tours. Il n'y a, mais... a plus de bateau. Alors, il était là il y a 2 minutes, hein. On n'est pas fou. Ah, pareil, ils se sont déco. Tu vois, je t'avais dit qu'avec notre charisme, on allait les impressionner. Voilà. Allez, on descend. Non, j'entendais. Attends, mais j'ai entendu des mecs parler là.
Ils ont coulé, ces cons. Ah, ils sont dans l'eau avec des coffres. Bah viens, on les def. Mais grave. Attends, faut que... Prends-les, ces deux cons. Ils font coucou. Ah, mais ils sont français, en plus. Bah, on les def ou on leur parle et on leur dit coucou? Oh non, vas-y, moi, je leur pique leur coffre, là, déjà. Ah, mais toi, t'es comme ça, toi. Ah, ils sont en train de parler en français. Don't kill me. Don't kill man. Man, I am a bug of connection. Ah ouais, c'est ça. I am a bug of connection. On les bute? I'm so lagging, man. Vas-y, 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 bute-les. Bah, je vais tenter. Attends, parce que... Ah, là, mais ils me tirent dessus aussi, donc c'est un peu... Et il m'a buté. Connard. Et il m'a traité de connard aussi. Je sais pas si tu l'entends. Ah, il a un HP. Ah, ma copine rentre. J'en ai buté un. Bah, je te dis, je vais pas tarder à respawn. En tout cas, j'ai bien aimé le... Il m'a buté, ce bâtard. S'il vous plaît, il t'a buté? Ouais, il m'a buté. Bah, dis-toi que nous, au moins, on a un bateau. Il est content, il est content. Vas-y, fonce, fonce, finis-le. Bah, j'arrive. Faut qu'on leur pique leur coffre. Alors, je sais plus exactement où est-ce qu'ils étaient. Enfin, nous, on est garés et eux, ils étaient sur la plage, quoi. Ouais, puis son pote, il peut pas hip-hop sur le bateau vu qu'ils sont dans... Attends, il monte dans notre bateau, ce trou de balle. Ah, il va nous buter, putain. Je pense pas qu'il puisse nous couler comme ça. Il peut lever l'ancre et nous faire chier. Et il est où? C'est moi, il est mort. Ah, c'est bien ça. Ah, voilà, on va récupérer les coffres. Il est dans leur bateau, mais. Et j'ai pas entendu la suite. Mais attends, parce que toi, t'avais récupéré un coffre? Ah non, c'est les boulets de canon, ça. Ouais, j'ai récupéré un coffre, je l'ai caché sur l'île. Ah, il est toujours là. Par contre, il y en a un deuxième qui flotte. Attends, je crois mais il y a un requin aussi. C'est une poule. J'ai cru que c'était lui. Ah oui, mais attends, parce qu'en plus, si t'en as tué un et que moi j'ai tué l'autre, ils sont plus là. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a leur sirène encore. Bah, peut-être que la sirène elle reste là. Bah, c'est bizarre. Putain, y'a un autre bateau qui arrive au loin là-bas. Écoute, déjà, y'a un de leurs coffres, je l'ai récupéré là, celui que t'avais mis sur l'île. Ok, je récupère l'autre. Putain, mais les requins, quand ils meurent, ils volent dans le ciel là, c'est chelou. Les requins, ils volent dans le ciel. Oui, c'est vrai, ils s'envolent comme des fantômes. Bah, ouais, c'est bizarre. C'est pas très RP tout ça. Hein. Attends. C'est bizarre qu'il y ait leur sirène encore par contre. Ah, y'a Steph Core sur le live qui dit la vie sans tabac est plus cool, plus de stress, du plus de tabac, clope, feuille à rouler. Et je n'ai pas à stresser pour trouver un bar ouvert un dimanche. Et surtout au taf durant les pauses. En hiver, je fous pas le cul dehors par moins 10 et j'évite grippe, rhume et pneumonie. C'est pas sûr. Oh, ça c'est des mensonges, ça, c'est des mensonges. Alors par contre, la vérité, parce que c'est vrai que là, il nous ment, c'est que moi, en fait, ça fait un an que j'ai des putains de rhumes et de grippes et les sinus pris, parce que je pense que j'ai un peu tout mon système ORL qui se venge d'années de tabac. Et ouais. C'est la vengeance des oreilles, ça. La vengeance des oreilles. Alors, faut se méfier parce qu'il y a un galion en face de nous, là-bas. Écoute, ça veut dire que les mecs sont 4 probablement. On se casse? Bah non, il y en a un coffre là à trouver. Ah oui, c'est ici, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en fait on n'avait pas juste un. Ah ouais, on en a volé deux, mais on va trouver l'autre vite fait là. On va trouver l'autre. Et on va se casser parce que s'il faut, les autres ils vont revenir aussi. Alors attends, parce que le jeu est bugué, j'étais coincé dans le. C'est bon. Alors du coup, techniquement, ça devrait être là-bas, là où t'es. Ouais, ça devrait être par là, mais... Ouais, c'est bon, j'ai. Bah... Oh putain. Ah merde. Je crois que c'est un méga coffre. Ah oui. Il a l'air joli, ouais. C'est un coffre qui pleure, par contre, je crois. Il paraît qu'ils sont chauds. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi ils sont chauds. Parce qu'en fait, ils pleurent et du coup, ils remplissent le bateau. Ah putain, voilà pourquoi ils sont chauds. Ouais, c'est ça. Vas-y, bon. Fonce sur le bateau, lève l'ancre, il faut qu'on trace là. Parce qu'il faut pas qu'on se fasse gauler. Parce que je crois qu'ils se revendent assez cher par contre. Ouais, bah c'est, il paraît que c'est les plus chers et qu'ils sont. C'est les plus rares en fait. Et les plus relous aussi. Eh ouais.
Alors attends, je lève l'ancre. Je sais pas vers où il faut qu'on aille, le nord a priori, vu qu'on était parti plein sud. Il faut... Ouais, c'est ça, nord. Attends, si on le met là, est-ce qu'il remplit le bateau? Bah a priori, il remplit le bateau de partout. Tu veux le mettre où, sur le pont? Ouais, alors, je l'ai posé sur la... La... Je sais pas comment on appelle ça là. Ah oui, non mais il remplit quand même le bateau. Ok. Bah il est cop hein. Il était où ton galion? Qu'on avait pas direct sur lui quoi. Je sais plus. Mais il était assez loin quand même, mais bon. Alors ce qui est bien c'est qu'on va pas être contre vent pour une fois. Quoique, je sais pas en fait. Putain mais il remplit au taquet. Est-ce qu'il va y avoir besoin d'aide? Non, non, ça devrait... Est-ce qu'il va être compliqué? J'ai quoi pour continuer, quoi. Vas-y, continue, continue. Moi, je fais comme je peux pour tout faire d'un coup. Je l'ai déjà fait tout seul, ça devrait... ça devrait se faire. Pourquoi j'entends des trucs sauter dans l'eau? Non, ah c'est non, moi c'est qui cope. Je me dis, c'est qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon, il a arrêté de pleurer, là. Ah oui, mais faut vraiment aller au nord-nord là, je suis pas du tout au bon endroit. Bon, en même temps, j'ai évité le caillou, mais. Sacré caillou, hein. Ah, j'aimerais pas avoir un caillou comme ça dans ma chaussure. Ah, c'est un sacré caillou, ouais. Attends, on a pas du tout la voile bien inclinée. Je check aux alentours. Tu sais que j'ai vu ce galion là, putain. Il est peut-être complètement parti à l'opposé. Hein. Ça serait pas mal, ouais, parce que ça, on a ah, est-ce que c'est la grande arche avec les lumières, l'endroit où on va? Ouais, ouais, ouais. Ok, c'est mais ça. On est juste devant. Donc ça va, faut juste aller plein devant. Et... Plein face. Et évidemment, on a le vent de face comme à chaque fois. Ah, fait chier. Et j'espère que les deux autres, ils ont pas ripop là-bas. Qu'ils nous a... Non, non, enfin jusque là pour l'instant j'ai jamais ripop dans un avant-poste. Hein. Moi j'ai toujours ripop dans des îles à la con. Hein. Ouais, c'est pas faux. Pourquoi il y a des trucs là dans l'eau? Ah, parce qu'il y a un bon navire qui s'est crashé, je pense. Mais c'est que des tonneaux donc il y a pas de coffre donc on s'en bat la couille. Ah, je suis tombé. Mais dans l'eau? Non. Pour une fois, non. Il pleure plus, le coffre? Bah, j'ai l'impression que non. Je vais le poser là, quand même. Steph Corp qui s'en va. Bonne nuit, Steph Corp. Je vous souhaite bonne route et chasse et bonne chasse au trésor à vous. Eh bien, merci pour la nuit. On est bien toujours bien en face, de toute façon je la vois donc je me fous un peu de la carte. Je sais plus où sont les docks par contre ici. Enfin je sais jamais dans quel sens on arrive. Ouais moi non plus. C'est au feeling. Ah. Au feeling il y a un caillou à 2 mètres de nous. Hein. Heureusement que je le vois. Ah oui. En plus de nuit, ah bah ils sont juste là les docks en fait. Parfait, parfait. Pour jeter l'ancre. Yes. Je sais pas quand mais. Attends, je vais remonter un peu la voile déjà. Je te laisse voir le feeling du jetage d'encre. Allez. Oh, moi je dis ça passe. Là je peux pas braquer plus. Hein. Bon, on putain, peut pas parfait. Faire plus. T'as pris le coffre? Le bon? Ouais. Celui ouais. qui vaut cher. Ouais, j'ai pris le chialeur là. On s'en fout des boulets de canon. Je vais chercher ceux d'en bas. Les deux coffres qui sont pas à nous. Coffre du chagrin vendu. 1500. Putain! Bah, ça valait le coup! C'est clair. En plus, on en a récupéré deux. Gratos. Par des mecs qui se sont coulés eux-mêmes, quoi.
Je sais pas, ouais, mais ils ont du mal manœuvrer, je sais pas ce qu'ils ont. Mais ils étaient quand même à 200 mètres de la plage, quoi. Enfin, je comprends pas trop comment ils ont pu mal manœuvrer. Ouais, je sais pas trop. Mal manœuvrer de quoi? Enfin, je veux bien que t'emboutisses un poteau quand il y a un poteau, quoi, mais il y a pas de poteau là. Et peut-être qu'ils ont frotté sur la plage, ils ont oublié de réparer et en partant, bah, je sais pas. Ouais, je sais pas, il disait qu'il avait beaucoup de lag pendant que j'essayais de le tuer. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, il a bien réussi à me tuer quand même. Quoique, c'est son pote qui m'a tué. Et après, quand je l'ai tué, je lui ai dit rien, mais lui, il m'a dit. Connard! Ah, j'étais dans un bateau, j'étais dans son bateau, mais il m'a. Et j'ai pas entendu la suite parce qu'il était mort. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand je l'ai tué, il a fait. Enfin, quand il m'a tué, il a fait connard. C'est amusant. C'est bon enfant, c'est bon enfant. C'est vrai. C'est vrai que c'est bon enfant. Et on fait un truc de tuage de. De squelette. De squelette. Ouais, si tu veux, j'en ai un là. Ah bah, j'allais en prendre, mais si t'en as, vas-y. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est ils ont été codés comme des marchands, ces trucs là. Donc t'arrives, tu prends une quête qui ne coûte rien vu que c'est une quête du coup, et il te fait de l'or bien dépensé. Ouais, mais parce qu'après elles sont payantes. Ah ouais, tu achètes les quêtes plus tard? Ouais, quand t'as le niveau au-dessus. Genre moi là, elles valent 100 PO. Ouais, si elles te rapportent plus. Oui. Bon, faut que t'ailles accepter la quête et on est bon. Votez pour ce voyage. Alors, Souken Grove. Attends, parce que je voulais tester un truc. Ah bah c'est juste à côté, c'est cool. Ah merde, je voulais tester de voter pour te mettre dans la cage, mais je sais pas comment on fait. Ah mais tu peux pas quand on est que deux. Ah merde, c'est nul. Moi je voulais qu'on meure. Eh, t'as vu ma carte? C'est bon, j'ai noté la... Ah mais c'est juste à côté, c'est cool. Ouais, ouais, on est bien là. Donc c'est à l'est. Je t'aiderais bien, mais c'est à l'ouest. J'ai fini. En fait, c'est tout droit. Oh là là là, c'est tout droit, mais tout droit à gauche là. Oh putain. Oh putain, ça racle. Oh putain. Oh, il y a les rochers en face. Ça va aller? Ouais, c'est bon, il y avait qu'un petit trou. Ah non, il y en a un deuxième en haut. Mais c'est ouais, bon, ça m'étonnerait quand même parce qu'on a raclé tout le bateau là. Par contre, il y a un bateau en face aussi. Ah ouais? Pas exactement là où on va, mais qui arrive vers nous. J'espère qu'il ne va pas trop nous voir ou vouloir nous voir plus. Ah non, c'est des tours, putain. Donc du coup, au niveau de... Oui, c'est ça, totalement à l'ouest. Ouais, c'est ça, totalement à l'ouest. Ah, c'est marrant, t'es pas beau vu de près. Faut que t'ailles un peu à droite là. Ah, pardon. Même beaucoup. Ouais, c'est parce que j'ai pas tenu le cap du tout. J'étais en train de te regarder de près. Ah oui, d'accord, je suis carrément pas dessus. Ah, j'ai vu dans des teasers, des bandes annonces, des trucs, des gros poulpes géants. C'est vraiment dans le jeu ça? Des quoi? Des poulpes, des kraken quoi. Ah oui, 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 des kraken, ouais. Mais je crois qu'il attaque que les galions. C'est plus mal. Donc, on se loupe, on risque rien. Parce que c'est sûr que s'il y a un kraken, on se loupe. Hein. Un peu plus sonore. Bah, c'est celle-là en fait, je pense. Ouais, elle est un peu sur notre droite normalement. Ouais, c'est celle-là, c'est celle vers laquelle on se dirige là. Ouais, c'est ça. Oh putain, j'ai des vieux lags. C'est bon, c'est revenu. Puis après celle-ci, on va peut-être arrêter, non? Parce que. Y'a un qui bosse demain.
Yes. T'arrives à trouver des tafs en freelance un peu quand même? Pas des masses là. C'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des postes ouverts dans ma boîte, mais là c'est trop tard hein. Eh ouais, vous êtes combien maintenant là? On n'est pas beaucoup plus hein. On est censé être 4 d'ici juin, mais en fait on attend un gars qui a posé son préavis à l'armée. Qui a posé sa demande de démission. Donc du coup en fait il sait même pas si on va lui dire oui. Je l'ai peut-être fait un peu tard. Non, ça va. Ah ben non. Ça va pas, tu penses? Oh ouais, ça fait clang quand même hein. Ouais non, là on a du trou là. Ça frotte là. Hein. Ah oui. Ah, c'est troué. Oh putain. Mais prends là ta planche. C'est bon, il n'y a plus de trou. Attends, mais il y a un trou ailleurs ou quoi là? Pourquoi ça... Je sais pas. Ah non, c'est... Ouais, donc du coup, en fait, on a l'intention, et on a fait un genre de promesse d'embauche, quoi. Enfin, oui, c'est ça. D'embaucher un gars, mais qui veut se reconvertir et qui était à l'armée à la base. Qui était trompettiste à l'armée, donc rien à voir. Ah ouais, d'accord. Et qui est passionné de dev web et qui du coup fait l'affaire d'après les tests qu'on a fait avec lui et les multiples rencontres qu'on a fait avec lui. Et du coup, et ben du coup, il a lancé sa démission à l'armée, mais il sait pas combien de temps ça prend et qu'est-ce qui va se passer quoi. Bah ouais, parce que s'il est en contrat. Bah en fait, c'est un CDI à vie. Et en fait, tu peux demander à faire une reconversion et à sortir de l'armée au bout de 10 ans de carrière. Et lui, ça fait 12 ans, donc en théorie, c'est bon. Sauf qu'en fait, la semaine où il a lancé sa démission et il a montré son intention de partir et qu'il a fait une demande de reconversion, et ben cette semaine-là, pile à la même semaine, ils ont changé la règle et ils ont dit que c'était à partir de 20 ans de carrière. Ou de 30 ans, un truc comme ça. Enfin, un truc bien au-dessus. Et du coup, son statut était un peu dans les limbes, parce que bon, l'armée, c'est comme beaucoup de fonctionnaires, un truc où quand une règle change, elle est rétroactive. Donc même si t'es rentré il y a 10 ans... J'ai trouvé une caverne chelou, mais on ira peut-être la voir plus tard. Ouais, là, il faut buter le squelette. Tu la vois, la caverne? Elle est là. Ouais. Mais donc du coup, a priori, ça devrait aller, donc il devrait venir bosser avec nous en juin. Mais c'est particulier comme situation quand même, d'avoir un préavis de 12 ans, éventuel. C'est un peu original, ouais. Ah, un baril de poudre. Ah bah c'est cool ça, faudra qu'on le récupère. Ouais, c'est peut-être pas le moment là, je pensais qu'il se... Alors par contre, ouais, c'est un peu dangereux de le laisser là, parce que du coup, si on tape dedans... Ah oui d'accord, mais c'est relié en fait à la grotte que je regardais tout à l'heure. Et puis sinon, on a une des trois personnes qui était avec nous à la base, qui était le chef de projet de l'équipe, et qui finalement s'est rendu compte que ça lui plaisait pas du tout, chef de projet. Donc du coup, qui s'en va. Ah. Et sauf que du coup, j'ai proposé mon meilleur poste pour le remplacer, et il a passé les entretiens et il a été embauché. Ah bah nickel. Du coup, j'ai mon meilleur pote qui arrive dans la boîte dans 2 semaines. Écoute, j'ai volé le crâne. T'as pris le crâne, hein? Ok, j'ai pris le baril. Pourquoi j'ai le truc... Voyage terminé, d'accord. Il y a un autre baril ici. Ah merde. Bah on reviendra. Ouais, on va faire un voilà. Mais bon, faut se souvenir de ce qu'il est. Après, bon bah... la boîte avance à son rythme. C'est pas la folie, mais... Et je me suis fait piquer, évidemment. Du moment que ça tourne. C'est ça. Putain, on est loin du bateau là. Et j'ai fait plouf. Bon, je laisse le baril là, je vais chercher le deuxième, je le rapproche en fait. Ok. Disons qu'on doit être tout juste à l'équilibre en général quoi. C'est rare qu'on soit. Enfin,
à l'équilibre plus plus quoi, à l'équilibre plus de la marge de sécurité plus. Ah oui, bon, ça va. Ouais, voilà. À l'équilibre en étant très pessimiste. Bon, bah ça va, c'est quand même pas oui, trop mal. Puis après, elle est toute neuve aussi, la boîte. Ouais. T'es re sur l'île ou t'es. Je suis dans le. Non, je suis. Je viens de poser le crâne en fait. Je vérifiais okay. Juste avant de repartir qu'il n'y ait pas de connard qui arrive. Des pirates! Parce que là-bas c'est des tours. Et je vois personne. Excellent, je ah, vois ah si, il y a une voile. Et elle vient. Attends. Bah, essaye de venir vers moi alors avec le bateau. Ouais, je vais faire mon possible, je vérifie juste s'ils viennent vraiment. Ou s'ils se cassent. Merde, je sais plus où est-ce qu'ils étaient. Ouais, vas-y, essaye de rapprocher le bateau de. Ah si, j'ai l'impression qu'ils viennent, j'arrive. J'arrive, j'essaie juste de pas tomber du mât. Fous la barre à fond à droite là et. C'est à droite? Ouais. Je devrais braquer la barre avant de lever l'ancre. Oui, peut-être, ouais. Ah, mais non, mais jamais je pourrais aller à droite. Je vais me prendre le rocher si je fais ça. Ah. Ah. Écoute, je vais essayer de faire un espèce de demi-tour en passant à gauche. Pour arriver à peu près au même résultat, mais pas certain de ce qui va se passer. Attends, je vais arriver. Non, mais ça devrait aller. Ah putain, enfin, mais il y a un autre baril de poudre là. Ça devrait aller. Ah oui, effectivement, le sloop arrive en plus à fond la caisse quoi. Ouais, ouais, il a baissé sa voile et il s'est mis dans notre direction, bien en face. Je t'oublie pas. Tu vois où je suis en haut des rochers ou pas? Non, je te vois pas du tout. Mais j'essaye de faire un espèce de grand virage en fait. Je sais pas si toi ça va t'arranger. Merde, je suis tombé à la flotte, putain. Je suis dans la flotte là. Est-ce qu'il vient vers nous le sloop là? Je le vois plus. Je suis dans la merde. T'es à quel niveau? Je suis sur ta gauche un peu là. Tu vois là l'espèce d'arche qu'il y a? Oui. Tout à gauche? Je suis là, attends. Je suis dessous là. Ouais, je vois le baril flotter en fait. Ah bah vas-y, va sur le baril. Parce que ah, mais non, j'ai jeté l'encre parce que j'avais m'exploser. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux venir, on va devoir les fight. C'est trop compliqué pour toi de venir? Et qu'on se casse? Non, vas-y, j'arrive. Mais t'auras pas le baril, c'est ça que tu veux dire? Ouais, parce que j'en ai 3 en fait là. Ah mais non mais laisse tomber, c'est pas grave. Non mais c'est bon en fait, ils sont pas encore là. Bah si, ils sont derrière en fait. Ils sont derrière toi, ils sont de l'autre côté de l'île. C'est même possible qu'ils sont en train de faire le tour et qu'ils essayent de venir nous accoster. Putain, j'arrive pas à balancer les barils de la falaise. Je te vois essayer de le faire, ça marche pas du tout. Pour l'instant je les vois pas, ils sont de l'autre côté de l'île. Oh non, ils reviennent par là. Par où? Et bah vers nous, droit vers nous. Donc à la limite reviens. Et on s'en fout. Attends mais ils sont où là? Là à droite, ah, à droite putain, de nous. J'arrive. Ah putain putain. Attends, y'a un truc dans le. Ah oh, tu t'es barré en fait. Non je me suis pas. En fait le but c'était pas de me barrer. Mais je suis mort. Donc si le bateau est en train de se barrer, il se barre tout seul. Ah sérieux, t'es mort? Je suis mort, je me suis pris un boulet de canon en pleine face. Oh putain. Et là du coup le bateau se casse? Bah ouais, le bateau se casse là. Ah putain. Bah je vais l'arrêter dès que je vais arriver, mais au moins dis-toi que peut-être qu'il évite les boulets de canon tout seul. Ils avaient sauté à l'eau et tout les bâtards pour essayer de nous avoir là. Je leur ai envoyé un boulet, je sais pas s'ils l'ont eu dans la gueule ou pas. J'ai pas eu le temps de voir, je me suis pris le leur avant. Ah, fait chier, ils se barrent du mauvais côté, ils nous poursuivent. Putain, j'avais nagé pour essayer de leur poser un baril sur la gueule. Attends, ah, mais on s'est pris une île, hein. Et notre bateau est en train de couler, hein, complètement. Attends.
Je vais faire ce que je peux, mais je suis pas sûr de pouvoir le découler. Non, c'est chaud. C'est chaud. Putain, décidément, chaque fois qu'on arrive à récupérer un crâne. Ouais, les crânes, c'est de la merde. Je crois qu'il est coulé le bateau. Parce que là, j'arrive plus à réparer les planches. Ah oui, là, on est sous l'eau là. Attends, est-ce que je peux réussir à récupérer des trucs? Bah, un crâne. Hop, j'ai le crâne. Ah, mais j'ai coulé dans le bateau. Oh, putain. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il me refait repop. Je sais pas si j'aurai toujours le crâne dans la main. Ça fait chier. C'est notre cupidité. Attends, mais je vais aller leur foutre le baril un peu sur la gueule, tu vas voir. Ouais, bah oui, il m'a fait repop là, mais j'ai pas le crâne dans la main. Bah non. On est d'accord que là, notre bateau. Ah, mais tiens, salut. Et j'ai pas du tout de crâne dans la main. Notre bateau a complètement disparu, il est mort. Je suis sous l'eau avec toi. Ouais. On les aborde après qu'ils aient tapé le truc. Putain, ils l'ont évité. Bah, tire dessus. Non, ils l'ont eu là. Ah, bah ouais, mais ça m'a tué. Putain. Ah, non, c'est con. Je suis pas censé prendre les dégâts normalement, quand c'est moi qui le lâche. Ah putain, il m'attend. Trou de balle. Il m'attendait en haut de l'échelle, il m'avait largement vu en fait. Putain, il t'a buté? Non, mais il a pas réussi, mais il a failli. Mais je m'en fous, je mange une banane. Merde, il me tire dessus. Il voit très bien où je suis. Ah, ils sont pas cons, hein. Je tire dans leur coque. Je sais pas si ça fait des dégâts ou pas. Ça. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Ah mais putain, mais moi du coup j'ai repop à notre nouveau bateau quoi. Donc c'est mort, je peux même pas venir t'aider. Ah mais ils sont en train de couler. Ah donc le baril a fait de l'effet. J'ai pas réussi à le buter, il m'a buté avant. Ah merde. Mais son bateau est en train de couler, ça m'étonnerait qu'il réussisse à faire quoi que ce soit. Ah, c'est ma grande déception de ne pas avoir réussi à sortir avec le crâne là, parce que j'y ai pensé une demi-seconde trop tard quoi. Ah mais de toute façon on était baisés. Bah non, parce qu'on aurait pu faire l'astuce de toi tu vas chercher un autre bateau et tu viens me chercher. Parce que là au moins on était sur une île, on savait laquelle c'était. Enfin vite fait. Ouais, c'était laquelle? Je sais plus. C'était pas Tree Rock, c'était pas ça. Ouais, non, je sais plus du tout sur quelle île on était. Quoi. Enfin bon. Eh ben, t'as pillé. Puis on va s'arrêter là, non? Ouais, bah ouais, là. Putain, on croise deux bateaux, deux fois on se fait plumer. Cas... Quoi. Non, il y a une fois où on a buté ceux qui étaient. Oui, c'est vrai, mais bon, ils avaient coulé tout seul quand même, c'était pas trop compliqué. Bon, on a eu quand même un bon coup de peau aussi à tomber pile sur l'île de la carte au trésor. Ouais, aussi. Ah bah elle est où? Bah c'est celle où on est. Ah. Non. Qu'est-ce que tu fais à ces poules là? C'était bien sympa quand même. Oula, ok. Bon, écoute. Bah du coup... Je vais aller me piroter. Également. Eh ben tu es au courant si tu rejoues Oui, bah un soir. Je sais pas quand. Mais pas demain soir parce que je vais à un concert. Pas samedi soir parce que je serai occupé. Dimanche soir, je sais pas, ça dépendra de l'envie et de la motivation. Ok, bah de toute façon tu me dis et puis... Ouais. Et puis t'en avises. Ok. On se tient au jeu. Bon, et ben bon courage demain pour bonne travailler. Nuit. Ouais, et réveille-toi bien à 11h. Non, je me lève tôt. Ah bah c'est, il a disparu. Je lui mets un coup d'épée, il s'en va. Eh ouais. Pas le temps, pas le temps. Pas bon allez. Temps, bonne nuit. Et à bientôt, tiens-moi au jus. Ciao. Allez, tchou. Et je coupe le live. Bonne nuit.